Article 44. Que chaque volonté est naturellement jointe à quelque mouvement de la glande, mais que, par industrie ou par habitude, on la peut joindre à d'autres. Toutefois, ce n'est pas toujours la volonté d'exciter en nous quelque mouvement ou quelque autre effet, qui peut faire que nous l'excitons. Mais cela change selon que la nature ou l'habitude ont diversement joint chaque mouvement de la glande à chaque pensée. Ainsi, par exemple, si on veut disposer ses yeux à regarder un objet fort éloigné, cette volonté fait que leur prunelle s'élargit. Et si on les veut disposer à regarder un objet fort proche, cette volonté fait qu'elle s'étrécit. Mais si on pense seulement à élargir la prunelle, on a beau en avoir la volonté, on ne l'élargit point pour cela. D'autant que la nature n'a point joint le mouvement de la glande qui sert à pousser les esprits vers le nerf optique en la façon qui est requise pour élargir ou étrécir la prunelle, avec la volonté de l'élargir ou étrécir. Mais bien avec celle de regarder des objets éloignés ou proches. Et lorsqu'en parlant, nous ne pensons qu'au sens de ce que nous voulons dire, cela fait que nous remuons la langue et les lèvres beaucoup plus promptement et beaucoup mieux que si nous pensions à les remuer en toutes les façons qui sont requises pour proférer les mêmes paroles. D'autant que l'habitude que nous avons acquise en apprenant à parler a fait que nous avons joint l'action de l'âme qui, par l'entremise de la glande, peut mouvoir la langue et les lèvres avec la signification des paroles. Qui suivent de ces mouvements plutôt qu'avec les mouvements mêmes. Article 45 Quel est le pouvoir de l'homme au regard de ses passions Nos passions ne peuvent pas aussi directement être excitées, ni ôtées par l'action de notre volonté, mais elles peuvent l'être indirectement par la représentation des choses, qui ont coutume d'être jointes avec les passions que nous voulons avoir, et qui sont contraires à celles que nous voulons rejeter. Ainsi, pour exciter en soi la hardiesse et ôter la peur, il ne suffit pas d'en avoir la volonté, mais il faut s'appliquer à considérer les raisons, les objets ou les exemples qui persuadent que le péril n'est pas grand, qu'il y a toujours plus de sûreté en la défense qu'en la fuite, qu'on aura de la gloire et de la joie d'avoir vaincu, au lieu qu'on ne peut attendre que du regret et de la honte d'avoir fui, et choses semblables. Article 46. Quelle est la raison qui empêche que l'homme ne puisse entièrement disposer de ses passions il y a une raison particulière qui empêche l'âme de pouvoir promptement changer ou arrêter ses passions, laquelle m'a donné sujet de mettre ci-dessus, en leur définition, qu'elles sont non seulement causées, mais aussi entretenues et fortifiées par quelques mouvements particuliers des esprits. Cette raison est qu'elles sont presque toutes accompagnées de quelque émotion qui se fait dans le cœur, et par conséquent aussi en tout le sang et les esprits, en sorte que jusqu'à ce que cette émotion ait cessé, elle demeure présente à notre pensée en même façon que les objets sensibles y sont présents pendant qu'ils agissent contre les organes de nos sens, et comme l'homme, en se rendant fort attentive à quelque autre chose, peut s'empêcher d'ouïr un petit bruit ou de sentir une petite douleur, mais ne peut s'empêcher en même façon d'ouïr le tonnerre ou de sentir le feu qui brûle la main, ainsi elle peut aisément surmonter les moindres passions, mais non pas les plus violentes et les plus fortes sinon après que l'émotion du sang et des esprits est apaisée. Le plus que la volonté puisse faire pendant que cette émotion est en sa vigueur, c'est de ne pas consentir à ses effets, et de retenir plusieurs des mouvements auxquels elle dispose le corps. Par exemple, si la colère fait lever la main pour frapper, la volonté peut ordinairement la retenir si la peur incite les jambes à fuir, la volonté les peut arrêter, et ainsi des autres. Article 47. En quoi consistent les combats qu'on a coutume d'imaginer entre la partie inférieure et la supérieure de l'âme? Et ce n'est qu'en la répugnance, qui est entre les mouvements que le corps par ses esprits et l'âme par sa volonté tendent à exciter en même temps dans la glande, que consistent tous les combats qu'on a coutume d'imaginer entre la partie inférieure de l'âme, qu'on nomme sensitive, et la supérieure qui est raisonnable, ou bien entre les appétits naturels et la volonté, car il y a en nous qu'une seule âme, et cette âme n'a en soi aucune diversité de parties. La même qui est sensitive est raisonnable, et tous ses appétits sont des volontés. L'erreur qu'on a commise en lui faisant jouer divers personnages qui sont ordinairement contraires les uns aux autres, ne vient que de ce qu'on n'a pas bien distingué ses fonctions avec celles du corps, auquel seul on doit attribuer tout ce qui peut être remarqué en nous qui répugne à notre raison. En sorte qu'il n'y a point en ceci d'autre combat. Sinon, que la petite glande, qui est au milieu du cerveau, pouvant être poussée d'un côté par l'âme et de l'autre par les esprits animaux, qui ne sont que des corps, ainsi que je l'ai dit ci-dessus. Il arrive souvent que ces deux impulsions sont contraires et que la plus forte empêche l'effet de l'autre. Or, on peut distinguer deux sortes de mouvements excités par les esprits dans la glande. Les uns représentent à l'âme les objets qui meuvent l'essence ou les impressions qui se rencontrent dans le cerveau et ne faut aucun effort sur sa volonté. Les autres y font quelque effort, à savoir ce qui cause les passions ou les mouvements du corps qui les accompagnent. Et pour les premiers, encore qu'ils empêchent souvent les actions de l'homme, ou bien qu'ils soient empêchés par elles, toutefois, à cause qu'ils ne sont pas directement contraires, on n'y remarque point de combat. On en remarque seulement entre les derniers et les volontés qu'ils leur répugnent, par exemple entre l'effort dont les esprits poussent la glande, pour causer en l'âme le désir de quelque chose, et celui dont l'âme la repousse par la volonté qu'elle a de fuir la même chose, et ce qui fait principalement paraître ce combat, c'est que la volonté, n'ayant pas le pouvoir d'exciter directement les passions, ainsi qu'il a déjà été dit, elle est contrainte d'user d'industrie et de s'appliquer à considérer successivement diverses choses, dont s'il arrive que l'une ait la force de changer pour un moment le cours des esprits, il peut arriver que celle qui suit ne l'a pas, et qu'il le reprennent aussitôt après, à cause que la disposition qui a précédé dans les nerfs, dans le cœur et dans le sang n'est pas changée, ce qui fait que l'homme se sent poussé presque en même temps à désirer et ne désirer pas une même chose. Et c'est de là qu'on a pris occasion d'imaginer en elle deux puissances qui se combattent. Toutefois on peut encore concevoir quelques combats en ce que souvent la même cause, qui excite en l'âme quelque passion, excite aussi certains mouvements dans le corps auxquels l'âme ne contribue point, et lesquels elle arrête ou tâche d'arrêter sitôt qu'elle les aperçoit, comme on éprouve lorsque ce qui excite la peur fait aussi que les esprits entrent dans les muscles qui servent à remuer les jambes pour fuir, et que la volonté qu'on a d'être hardi les arrête. Article 48 En quoi on connaît la force ou la faiblesse des âmes, et quel est le mal des plus faibles? Or, c'est par le succès de ces combats que chacun peut connaître la force ou la faiblesse de son âme. Car ceux en qui naturellement la volonté peut le plus aisément vaincre les passions et arrêter les mouvements du corps qui les accompagnent ont sans doute les armes les plus fortes. Mais il y en a qui ne peuvent éprouver leur force, parce qu'ils ne font jamais combattre leur volonté avec ses propres armes, mais seulement avec celles qui lui fournissent quelques passions pour résister à quelques autres. Ce que je nomme ses propres armes sont des jugements fermes et déterminés Touchant la connaissance du bien et du mal, suivant lesquels elle a résolu de conduire les actions de sa vie. Et les âmes les plus faibles de toutes sont celles dont la volonté ne se détermine point ainsi à suivre certains jugements, mais se laissent continuellement emporter aux passions présentes, lesquelles, étant souvent contraires les unes aux autres, l'attirent tour à tour à leur parti, et l'employant à combattre contre elles même mettent l'homme au plus déplorable état qu'elle puisse être. Ainsi, lorsque la peur représente la mort comme un mal extrême, et qui ne peut être évité que par la fuite, si l'ambition d'autre côté représente l'infamie de cette fuite comme un mal pire que la mort, ces deux passions agitent diversement la volonté, laquelle, obéissant tantôt à l'une, tantôt à l'autre, s'oppose continuellement à soi-même, et ainsi rend l'âme esclave et malheureuse. Article 49. Que la force de l'âme ne suffit pas sans la connaissance de la vérité. Il est vrai qu'il y a fort peu d'hommes si faibles et irrésolus qu'ils ne veulent rien que ce que leur passion leur dictent. La plupart ont des jugements déterminés, suivant lesquels ils règlent une partie de leurs actions. Et bien que souvent ces jugements soient faux, et même fondés sur quelques passions, par lesquelles la volonté s'est auparavant laissée vaincre ou séduire, toutefois, à cause qu'elle continue de les suivre, lorsque la passion qui les a causées est absente, on les peut considérer comme ses propres armes, et penser que les hommes sont plus fortes ou plus faibles, à raison de ce qu'elles peuvent plus ou moins suivre ces jugements, et résister aux passions présentes qui leur sont contraires. Mais il y a pourtant grande différence entre les résolutions qui procèdent de quelques fausses opinions et celles qui ne sont appuyées que sur la connaissance de la vérité. D'autant que si on suit ces dernières, on est assuré de n'en avoir jamais de regrets ni de repentir, au lieu qu'on en a toujours d'avoir suivi les premières lorsqu'on en découvre l'erreur. Article 50. Qu'il n'y a point d'homme si faible qu'elle ne puisse, étant bien conduite, acquérir un pouvoir absolu sur ses passions. Et il est utile ici de savoir que, comme il a déjà été dit ci-dessus, encore que chaque mouvement de la glande semble avoir été joint par la nature à chacune de nos pensées, dès le commencement de notre vie, on les peut toutefois joindre à d'autres par habitude. Ainsi que l'expérience fait voir aux paroles qui excitent des mouvements en la glande lesquelles, selon l'institution de la nature, ne représentent à l'âme que leur son lorsqu'elles sont proférées de la voix, ou la figure de leurs lettres lorsqu'elles sont écrites, et qui néanmoins par l'habitude qu'on a acquise en pensant à ce qu'elles signifient, lorsqu'on a ouï leur son, ou bien qu'on a vu leurs lettres, ont coutume de faire concevoir cette signification plutôt que la figure de leurs lettres, ou bien le son de leurs syllabes. Il est utile aussi de savoir qu encore que les mouvements, tant de la glande que des esprits et du cerveau, qui représentent à l'âme certains objets, soient naturellement joints avec ceux qui excitent en elles certaines passions, ils peuvent toutefois par habitude en être séparés et joints à d'autres forts différents, et même que cette habitude peut être acquise par une seule action et ne requiert point un long usage. Ainsi, lorsqu'on rencontre inopinément quelque chose de fort sale en une viande qu'on mange avec appétit, la surprise de cette rencontre peut tellement changer la disposition du cerveau qu'on ne pourra plus voir après de telles viandes qu'avec horreur, au lieu qu'on la mangeait auparavant avec plaisir. Et on peut remarquer la même chose dans les bêtes, car encore qu'elle n'ait point de raison, ni peut-être aussi aucune pensée, tous les mouvements des esprits et de la glande qui excitent en nous les passions ne laissent pas d'être en elles et d'y servir à entretenir et fortifier, non pas comme en nous, les passions, mais les mouvements des nerfs et des muscles qui ont coutume de les accompagner. Ainsi, lorsqu'un chien voit une perdrix, il est naturellement porté à courir vers elle, et lorsqu'il voit tirer un fusil, ce bruit l'incite naturellement à s'enfuir. Mais néanmoins, on dresse ordinairement les chiens courants en telle sorte que la vue d'une perdrix fait qu'ils s'arrêtent, et que le bruit qu'ils voient après, lorsqu'on tire sur elle, fait qu'ils y accourent. Or, ces choses sont utiles, à savoir pour donner le courage à un chacun d'étudier à régler ses passions, car puisqu'on peut, avec un peu d'industrie, Changer les mouvements du cerveau dans les animaux dépourvus de raison, il est évident qu'on le peut encore mieux dans les hommes, et que ceux-mêmes qui ont les plus faibles hommes pourraient acquérir un empire très absolu sur toutes leurs passions si on employait assez d'industrie à les dresser et à les conduire. Troisième partie des passions particulières. Article 149 De l'estime et du mépris. Après avoir expliqué les six passions primitives, qui sont comme les genres dont toutes les autres sont des espèces, je remarquerai ici succinctement ce qu'il y a de particulier en chacune de ces autres, et je retiendrai le même ordre suivant lequel je les ai ci dessus dénombrées. Les deux premières sont l'estime et le mépris car bien que ces noms ne signifient ordinairement que les opinions qu'on a sans passion de la valeur, de chaque chose, Toutefois, à cause que de ces opinions il naît souvent des passions auxquelles on n'a point donné de nom particulier, il me semble que ceux-ci leur peuvent être attribués. Et l'estime, en tant qu'elle est une passion, est une inclination qu'a l'âme à se représenter la valeur de la chose estimée, laquelle inclination est causée par un mouvement particulier des esprits, tellement conduit dans le cerveau qu'ils y fortifient les impressions qui servent à ce sujet. Comme au contraire la passion du mépris est une inclination qu'a l'homme à considérer la bassesse ou petitesse de ce qu'elle méprise causée par le mouvement des esprits qui fortifie l'idée de cette petitesse. Article 150 que ces deux passions ne sont que des espèces d'admiration. Ainsi ces deux passions ne sont que des espèces d'admiration car lorsque nous n'admirons point la grandeur ni la petitesse d'un objet nous ne faisons ni plus ni moins d'état que la raison nous dicte que nous en devons faire, de façon que nous l'estimons ou le méprisons alors sans passion. Et bien que souvent l'estime soit excitée en nous par l'amour et le mépris par la haine, cela n'est pas universel et ne vient que de ce qu'on est plus ou moins enclin à considérer la grandeur ou la petitesse d'un objet à raison de ce qu'on a plus ou moins d'affection pour lui. Article 151 Qu'on peut s'estimer ou mépriser soi-même. Or, ces deux passions se peuvent généralement rapporter à toutes sortes d'objets, mais elles sont principalement remarquables quand nous les rapportons à nous-mêmes, c'est-à-dire quand c'est notre propre mérite que nous estimons ou méprisons. Et le mouvement des esprits qui les cause est alors si manifeste qu'il change même la mine, les gestes, la démarche et généralement toutes les actions de ceux qui conçoivent une meilleure ou une plus mauvaise opinion d'eux-mêmes qu'à l'ordinaire. Article 152 pour quelle cause on peut s'estimer. Et parce que l'une des principales parties de la sagesse est de savoir en quelle façon et pour quelle cause chacun se doit estimer ou mépriser, je tâcherai ici d'en dire mon opinion. Je ne remarque en nous qu'une seule chose qui nous puisse donner juste raison de nous estimer, à savoir l'usage de notre libre arbitre, et l'empire que nous avons sur nos volontés, car il n'y a que les seules actions qui dépendent de ce libre arbitre pour lesquelles nous puissions, avec raison, être loués ou blâmés. Et il nous rend en quelque façon semblables à Dieu en nous faisant maître de nous-mêmes, pourvu que nous ne perdions point par lâcheté les droits qu'il nous donne. Article 153. En quoi consiste la générosité Ainsi, je crois que la vraie générosité, qui fait qu'un homme s'estime au plus haut point qu'il se peut légitimement estimer, Consiste seulement partie en ce qu'il connaît qu'il n'y a rien qui véritablement lui appartienne que cette libre disposition de ses volontés, ni pourquoi ils doivent être loués ou blâmés, sinon pour ce qu'il en use, bien ou mal, et partie en ce qu'il sent en soi-même une femme et constante résolution d'en bien user. C'est-à-dire de ne manquer jamais de volonté pour entreprendre et exécuter toutes les choses qu'il jugera être les meilleures, ce qui est suivre parfaitement la vertu. Article 154, qu'elle empêche qu'on ne méprise les autres. Ceux qui ont cette connaissance et ce sentiment d'eux-mêmes se persuadent facilement que chacun des autres hommes les peut aussi avoir de soi, parce qu'il n'y a rien dans cela qui dépende d'autrui. C'est pourquoi ils ne méprisent jamais personne. Et bien qu'ils voient souvent que les autres commettent des fautes qui font paraître leur faiblesse, ils sont toutefois plus enclins à les excuser qu'à les blâmer et à croire que c'est plutôt par manque de connaissances que par manque de bonne volonté qu'ils les commettent. Et comme ils ne pensent point être de beaucoup inférieurs à ceux qui ont plus de bien ou d'honneur, ou même qui ont plus d'esprit, plus de savoir, plus de beauté, ou généralement qui les surpassent en quelques autres perfections, aussi ne s'estiment point beaucoup au dessus de ceux qu'ils surpassent, à cause que toutes ces choses leur semblent être fort peu considérables, à comparaison de la bonne volonté pour laquelle seul il s'estime, et laquelle il suppose aussi être ou du moins pouvoir être en chacun des autres hommes. Article 155 En quoi consiste l'humilité vertueuse Ainsi les plus généreux ont coutume d'être les plus humbles, et l'humilité vertueuse ne consiste qu'en ce que la réflexion que nous faisons sur l'infirmité de notre nature, et sur les fautes que nous pouvons autrefois avoir commises, ou sommes capables de commettre, qui ne sont pas moindres que celles qui peuvent être commises par d'autres, et cause que nous ne nous préférons à personne, et que nous pensons que les autres ayant leur libre arbitre aussi bien que nous, ils en peuvent aussi bien user. Article 156. Quelles sont les propriétés de la générosité, et comment elle sert de remède contre tous les dérèglements des passions Ceux qui sont généreux en cette façon sont naturellement portés à faire de grandes choses, et toutefois à ne rien entreprendre dont ils ne se sentent capables. Et parce qu'ils n'estiment rien de plus grand que de faire du bien aux autres hommes et de mépriser son propre intérêt, pour ce sujet, ils sont toujours parfaitement courtois, affables et officieux envers un chacun. Et avec cela, ils sont entièrement maîtres de leurs passions, particulièrement des désirs, de la jalousie et de l'envie, à cause qu'il n'y a aucune chose dont l'acquisition ne dépend pas d'eux, qu'ils pensent valoir assez pour mériter d'être beaucoup souhaités. Et de la haine envers les hommes, à cause qu'ils les estiment tous, et de la peur, à cause que la confiance qu'ils ont en leur vertu les assure, et enfin de la colère, à cause que, n'estimant que fort peu toutes les choses qui dépendent d'autrui, jamais ils ne donnent tant d'avantages à leurs ennemis que de reconnaître qu'ils en sont offensés. Article 157 de l'orgueil. Tous ceux qui conçoivent bonne opinion d'eux-mêmes, pour quelque autre cause, telle qu'elle puisse être, N'ont pas une vraie générosité, mais seulement un orgueil, qui est toujours fort vicieux, encore qu'il le soit d'autant plus que la cause pour laquelle on s'estime est plus injuste. Et la plus injuste de toutes est lorsqu'on est orgueilleux sans aucun sujet, c'est-à-dire sans qu'on pense pour cela qu'il y ait en soi aucun mérite pour lequel on doive être prisé, mais seulement parce qu'on ne fait point d'état du mérite, et que, s'imaginant que la gloire n'est autre chose qu'une usurpation, l'on croit que ceux qui s'en attribuent le plus en ont le plus. Ce vice est si déraisonnable et si absurde que j'aurais de la peine à croire qu'il y eût des hommes qui s'y laissassent aller, si jamais personne n'était loué injustement. Mais la flatterie est si commune partout qu'il n'y a point d'hommes si défectueux qu'ils ne se voient souvent estimés pour des choses qu'ils ne méritent aucune louange, ou même qui méritent du blâme, ce qui donne occasion aux plus ignorants et aux plus stupides de tomber en cette espèce d'orgueil. Article 158, que ses effets sont contraires à ceux de la générosité. Mais quelle que puisse être la cause pour laquelle on s'estime, si elle est autre que la volonté consent en soi-même d'user toujours bien de son libre arbitre, de laquelle j'ai dit que vient la générosité, elle produit toujours un orgueil très blâmable, et qui est si différent de cette vraie générosité, qu'il a des effets entièrement contraires. Car tous les autres biens, comme l'esprit, la beauté, les richesses, les honneurs, etc., Ayant coutume d'être d'autant plus estimés qu'ils se trouvent en moins de personnes, et même étant pour la plupart de telle nature qu'ils ne peuvent être communiqués à plusieurs, cela fait que les orgueilleux tâchent d'abaisser tous les autres hommes, et qu'étant esclaves de leurs désirs, ils ont l'âme incessamment agitée de haine, d'envie, de jalousie ou de colère. Article 159 de l'humilité vicieuse. Pour la bassesse ou l'humilité vicieuse, elle consiste principalement ce qu'on se sent faible ou peu résolu, et que, comme si on n'avait pas l'usage entier de son libre arbitre, on ne se peut empêcher de faire des choses dont on sait qu'on se repentira par après, puis aussi en ce qu'on croit ne pouvoir subsister par soi même, ni se passer de plusieurs choses dont l'acquisition dépend d'autrui. Ainsi elle est directement opposée à la générosité, et il arrive souvent que ceux qui ont l'esprit le plus bas sont les plus arrogants et superbes, en même façon que les plus généreux sont les plus modestes et les plus humbles. Mais au lieu que ceux qui ont l'esprit fort et généreux ne changent point d'humeur pour les prospérités ou adversités qui leur arrivent, ceux qui l'ont faible et abject ne sont conduits que par la fortune, et la prospérité ne les enfle pas moins que l'adversité les rend humbles. Même on voit souvent qu'ils s'abaissent honteusement auprès de ceux dont ils attendent quelque profit ou craignent quelque mal et qu'au même temps il s'élève insolemment au-dessus de ceux desquels il n'espère ni ne craignent aucune chose article 160. quel est le mouvement des esprits en ces passions au reste il est aisé à connaître que l'orgueil et la bassesse ne sont pas seulement des vices mais aussi des passions à cause que leur émotion paraît fort à l'extérieur en ceux qui sont subitement enflés ou abattus par quelque nouvelle occasion mais on peut douter si la générosité et l'humilité, qui sont des vertus, peuvent aussi être des passions, parce que leurs mouvements paraissent moins, et qu'il semble que la vertu ne symbolise pas tant avec la passion que fait le vice. Toutefois je ne vois point de raison qui empêche que le même mouvement des esprits, qui sert à fortifier une pensée lorsqu'elle a un fondement qui est mauvais, ne la puisse aussi fortifier lorsqu'elle en a un qui est juste, et parce que l'orgueil et la générosité ne consistent quand la bonne opinion qu'on a de soi-même, et ne diffère qu'en ce que cette opinion est injuste en l'un et juste en l'autre, il me semble qu'on les peut rapporter à une même passion, laquelle est excitée par un mouvement composé de ceux de l'admiration, de la joie et de l'amour, tant de celles qu'on a pour soi que de celles qu'on a pour la chose, qui fait qu'on s'estime. Comme au contraire, le mouvement qui excite l'humilité, soit vertueuse, soit vicieuse, est composé de ceux de l'admiration. De la tristesse et de l'amour qu'on a pour soi-même, mêlés avec la haine qu'on a pour les défauts qui font qu'on se méprise. Et toute la différence que je remarque en ces mouvements est que celui de l'admiration a deux propriétés. La première que la surprise le rend fort dès son commencement, et l'autre qu'il est égal en sa continuation, c'est-à-dire que les esprits continuent à se mouvoir d'une même teneur dans le cerveau desquelles propriétés la première se rencontre bien plus en l'orgueil et en la bassesse qu'en la générosité et en l'humilité vertueuse et au contraire la dernière se remarque mieux en celle ci qu'aux deux autres, dont la raison est que le vice vient ordinairement de l'ignorance, et que ce sont ceux qui se connaissent le moins qui sont les plus sujets à s'énorgueillir et à s'humilier, plus qu'ils ne doivent, à cause que tout ce qui leur arrive de nouveau les surprend, et fait que, se l'attribuant à eux mêmes, ils s'admirent, et qu'ils s'estiment ou se méprisent selon qu'ils jugent que ce qui leur arrive est à leur avantage ou n'y est pas. Mais parce que souvent, après une chose qui les a énorgueillis en survient une autre qui les humilie, le mouvement de leur passion est variable. Au contraire, il n'y a rien en la générosité qui ne soit compatible avec l'humilité vertueuse, ni rien d'ailleurs qui les puisse changer, ce qui fait que leurs mouvements sont fermes, constants et toujours fort semblables à eux-mêmes. Mais ils ne viennent pas tant de surprises. Parce que ceux qui s'estiment en cette façon connaissent assez celles qui sont les causes qui font qu'ils s'estiment. Toutefois, on peut dire que ces causes sont si merveilleuses, à savoir la puissance d'user de son libre arbitre qui fait qu'on se prise soi-même, et les infirmités du sujet en qui est cette puissance qui font qu'on ne s'estime pas trop, qu'à toutes les fois qu'on se les représente de nouveau, elles donnent toujours une nouvelle admiration. Article 161 Comment la générosité peut-être acquise et il faut remarquer que ce qu'on nomme communément des vertus sont des habitudes en l'âme qui la disposent à certaines pensées, en sorte qu'elles sont différentes de ces pensées, mais qu'elles les peuvent produire et réciproquement être produites par elles. Il faut remarquer aussi que ces pensées peuvent être produites par l'âme seule, mais qu'il arrive souvent que quelques mouvements des esprits les fortifient et que pour lors elles sont des actions de vertu et ensemble des passions de l'âme. Ainsi, encore qu'il n'y ait point de vertu à laquelle il semble que la bonne naissance contribue, tant qu'à celle qui fait qu'on ne s'estime que selon sa juste valeur et qu'il soit aisé à croire que toutes les âmes que Dieu met en nos corps ne sont pas également nobles et fortes, ce qui est cause que j'ai nommé cette vertu générosité, suivant l'usage de notre langue, plutôt que magnanimité, suivant l'usage de l'école où elle n'est pas fort connue. Il est certain, néanmoins, que la bonne institution. Sert beaucoup pour corriger les défauts de la naissance, et que si on s'occupe souvent à considérer ce que c'est que le libre arbitre, et combien sont grands les avantages qui viennent de ce qu'on a une ferme résolution d'en bien user, comme aussi d'autre côté, combien sont vains et inutiles tous les soins qui travaillent les ambitieux, on peut exciter en soi la passion, et ensuite acquérir la vertu de générosité, laquelle étant comme à la clé de toutes les autres vertus et un remède général, Contre tous les dérèglements des passions, il me semble que cette considération mérite bien d'être remarquée. Article 162 de la vénération. La vénération ou le respect est une inclination de l'âme, non seulement à estimer l'objet qu'elle révère, mais aussi à se soumettre à lui avec quelques crainte, pour tâcher de se le rendre favorable, de façon que nous n'avons de la vénération que pour les causes libres que nous jugeons capables de nous faire du bien ou du mal sans que nous sachions lequel des deux elles feront. Car nous avons de l'amour et de la dévotion plutôt que de simple vénération pour celle de qui nous n'attendons que du bien, et nous avons de la haine pour celle de qui nous n'attendons que du mal. Et si nous ne jugeons point que la cause de ce bien ou de ce mal soit libre, nous ne nous soumettons point à elle pour tâcher de l'avoir favorable. Ainsi, quand les païens avaient de la vénération pour des bois, des fontaines ou des montagnes, ce n'étaient pas proprement ces choses mortes qu'ils vénéraient. Mais les divinités qu'il pensait y présider. Et le mouvement des esprits qui excite cette passion est composé de celui qui excite l'admiration et de celui qui excite la crainte, de laquelle je parlerai ci-après. Article 163 du dédain. Tout de même, ce que je nomme le dédain est l'inclination qu'a l'âme à mépriser une cause libre, en jugeant que, bien que dans sa nature elle soit capable de faire du bien et du mal, elle est néanmoins si fort au-dessous de nous. Qu'elle ne nous peut faire ni l'un ni l'autre. Et le mouvement des esprits qui l'excite est composé de ceux qui excitent l'admiration et la sécurité ou la hardiesse. Article 164 de l'usage de ces deux passions. Et c'est la générosité et la faiblesse de l'esprit, ou la bassesse, qui déterminent le bon et le mauvais usage de ces deux passions. Car d'autant qu'on a l'âme plus noble et plus généreuse, d'autant a-t-on plus d'inclination à rendre à chacun ce qui lui appartient et ainsi on n'a pas seulement une très profonde humilité au regard de Dieu, mais aussi on rend sans répugnance tout l'honneur et le respect qui est dû aux hommes, à chacun selon le rang et l'autorité qu'il a dans le monde, et on ne méprise rien que les vices. Au contraire, ceux qui ont l'esprit bas et faible sont sujets à pécher par excès, quelquefois en ce qu'ils révèrent et craignent des choses qui ne sont dignes que de mépris, et quelquefois en ce qu'ils dédaignent insolemment celles qui méritent le plus d'être révérées, et il passe souvent fort promptement de l'extrême impiété à la superstition, puis de la superstition à l'impiété, en sorte qu'il n'y a aucun vice ni aucun dérèglement d'esprit dont il ne soit capable. Article 165 De l'espérance et de la crainte. L'espérance est une disposition de l'homme à se persuader que ce qu'elle désire adviendra, laquelle est causée par un mouvement particulier des esprits, à savoir par celui de la joie et du désir mêlés ensemble. Et la crainte est une autre disposition de l'homme qui lui persuade qu'il n'adviendra pas. Et il est à remarquer que bien que ces deux passions soient contraires, on les peut néanmoins avoir toutes deux ensemble, à savoir lorsqu'on se représente en même temps diverses raisons, dont les unes font juger que l'accomplissement du désir est facile, les autres le font paraître difficile. Article 166 de la sécurité et du désespoir. Et jamais l'une de ces passions n'accompagne le désir qu'elle ne laisse quelque place à l'autre. Car lorsque l'espérance est si forte qu'elle chasse entièrement la crainte, elle change de nature et se nomme sécurité ou assurance. Et quand on est assuré que ce qu'on désire adviendra, bien qu'on continue à vouloir qu'il advienne, on cesse néanmoins d'être agité de la passion du désir, qui en faisait rechercher l'événement avec inquiétude. Tout de même, lorsque la crainte est si extrême qu'elle ôte tout lieu à l'espérance, elle se convertit en désespoir. Et ce désespoir, représentant la chose comme impossible, éteint entièrement le désir, lequel ne se porte qu'aux choses possibles. Article 167 de la jalousie. La jalousie est une espèce de crainte, qui se rapporte au désir qu'on a de se conserver la possession de quelque bien. Et elle ne vient pas tant de la force des raisons, qui font juger qu'on le peut perdre, que de la grande estime qu'on en fait, laquelle est cause qu'on examine jusqu'au moindre sujet de soupçon. Et qu'on les prend pour des raisons fort considérables. Article 168 En quoi cette passion peut être honnête Et parce qu'on doit avoir plus de soin de conserver les biens qui sont fort grands que ceux qui sont moindres, cette passion peut être juste et honnête en quelques occasions. Ainsi, par exemple, un capitaine qui garde une place de grande importance a droit d'en être jaloux, c'est-à-dire de se défier de tous les moyens par lesquels elle pourrait être surprise. Et une honnête femme n'est pas blâmée d'être jalouse de son honneur, c'est-à-dire de ne se garder pas seulement de mal faire, mais aussi d'éviter jusqu'au moindre sujet de médisance. Article 169. En quoi elle est blâmable Mais on se moque d'un avaricieux lorsqu'il est jaloux de son trésor, c'est-à-dire lorsqu'il le couve des yeux et ne s'en veut jamais éloigner de peur qu'il ne lui soit dérobé, car l'argent ne vaut pas la peine d'être gardé avec tant de soin, et on méprise un homme qui est jaloux de sa femme parce que c'est un témoignage qu'il ne l'aime pas de la bonne sorte et qu'il a une mauvaise opinion de soi ou d'elle. Je dis qu'il ne l'aime pas de la bonne sorte, car s'il avait une vraie amour pour elle, il n'aurait aucune inclination à s'en défier. Mais ce n'est pas proprement elle qu'il aime, c'est seulement le bien qu'il imagine consister à en avoir seul la possession. Et il ne craindrait pas de perdre ce bien s'il ne jugeait pas qu'il en est indigne ou bien que sa femme est infidèle. Où reste cette passion ne se rapporte qu'aux soupçons et aux défiances, car ce n'est pas proprement être jaloux que de tâcher d'éviter quelque mal lorsqu'on a juste sujet de le craindre. Première partie des passions en général et par occasion de toute la nature de l'homme. Article 1. Que ce qui est passion au regard d'un sujet est toujours action à quelque autre égard. Il n'y a rien en quoi paraisse mieux combien les sciences que nous avons des anciens sont défectueuses. Quand ce qu'ils ont écrit des passions. Car bien que ce soit une manière dont la connaissance a toujours été fort recherchée, et qu'elle ne semble pas être des plus difficiles, à cause que chacun les sentant en soi-même, on n'a point besoin d'emprunter d'ailleurs aucune observation, pour en découvrir la nature. Toutefois, ce que les anciens en ont enseigné est si peu de choses, et pour la plupart si peu croyable, que je ne puis avoir aucune espérance d'approcher de la vérité qu'en m'éloignant des chemins qu'ils ont suivis. C'est pourquoi je serais obligé d'écrire ici en même façon que si je traitais d'une matière que jamais personne avant moi n'eût touchée. Et pour commencer, je considère que tout ce qui se fait ou qui arrive de nouveau est généralement appelé par les philosophes une passion au regard du sujet auquel il arrive, et une action au regard de celui qui fait qu'il arrive. En sorte que, bien que l'agent et le patient soient souvent fort différents, l'action et la passion ne laissent pas d'être toujours une même chose, qui a ces deux noms à raison des deux divers sujets auxquels on la peut rapporter. Article 2. Que pour connaître les passions de l'âme, il faut distinguer ses fonctions d'avec celles du corps. Puis aussi je considère que nous ne remarquons point qu'il n'y ait aucun sujet qui agisse plus immédiatement contre notre âme que le corps auquel elle est jointe, et que, par conséquent, nous devons penser que ce qui est en elle, une passion, est communément en lui une action. En sorte, il n'y a point de meilleur chemin pour venir à la connaissance de nos passions que d'examiner la différence qui est entre l'âme et le corps, afin de connaître auquel des deux on doit attribuer chacune des fonctions qui sont en nous. Article 3 Quelles règles on doit suivre pour cet effet À quoi on ne trouvera pas grande difficulté si on prend garde que tout ce que nous expérimentons être en nous, et que nous voyons aussi pouvoir être en décor tout à fait inanimés, ne doit être attribué qu'à notre corps, et au contraire que tout ce qui est en nous, et que nous ne concevons en aucune façon pouvoir appartenir à un corps, doit être attribué à notre âme. Article 4. Que la chaleur et le mouvement des membres procèdent du corps et les pensées de l'âme. Ainsi, à cause que nous ne concevons point que le corps pense en aucune façon, nous avons raison de croire que toutes sortes de pensées qui sont en nous appartiennent à l'âme. Et à cause que nous ne doutons point qu'il y a des corps inanimés qui se peuvent mouvoir en autant ou plus de diverses façons que les nôtres, et qui ont autant ou plus de chaleur, ce que l'expérience fait voir en la flamme, qui seule a beaucoup plus de chaleur et de mouvement qu'aucun de nos membres, nous devons croire que toute la chaleur et tous les mouvements qui sont en nous, en tant qu'ils ne dépendent point de la pensée, n'appartiennent qu'au corps. Article 5. Que cette erreur de croire que l'homme donne le mouvement et la chaleur au corps. Au moyen de quoi nous éviterons une erreur très considérable, en laquelle plusieurs sont tombés. En sorte que j'estime quelle est la première cause qui a empêché qu'on ait pu bien expliquer jusqu'ici les passions et les autres choses qui appartiennent à l'homme. Elle consiste en ce que, voyant que tous les corps morts sont privés de chaleur, et ensuite de mouvement, on s'est imaginé que c'était l'absence de l'homme. Qui faisait cesser ces mouvements et cette chaleur. Et ainsi on a cru sans raison que notre chaleur naturelle et tous les mouvements de nos corps dépendent de l'âme, au lieu qu'on devait penser au contraire que l'âme ne s'absente lorsqu'on meurt qu'à cause que cette chaleur cesse et que les organes qui servent à mouvoir le corps se corrompent. Article 6 Quelle différence il y a entre un corps vivant et un corps mort Afin donc que nous évitions cette erreur, Considérons que la mort n'arrive jamais par la faute de l'âme, mais seulement parce que quelqu'une des principales parties du corps se corrompt, et jugeons que le corps d'un homme vivant diffère autant de celui d'un homme mort que fait une montre ou autre automate, c'est-à-dire autre machine qui se meut de soi-même, lorsqu'elle est montée et qu'elle a en soi le principe corporel des mouvements pour lesquels elle est instituée, avec tout ce qui est requis pour son action, et la même montre ou autre machine lorsqu'elle est rompue et que le principe de son mouvement cesse ce d'agir. Article 7. Brève explication des parties du corps et de quelques-unes de ses fonctions. Pour rendre cela plus intelligible, j'expliquerai ici, en peu de mots, toute la façon dont la machine de notre corps est composée. Il n'y a personne qui ne sache déjà qu'il y a en nous un cœur, un cerveau, un estomac, des muscles, des nerfs, des artères, des veines, et choses semblables. On sait aussi que les viandes qu'on mange descendent dans l'estomac, et dans les boyaux, d'où leur sucre, coulant dans le foie et dans toutes les veines, se mêlent avec le sang qu'elles contiennent, et par ce moyen en augmente la quantité. Ceux qui ont en soit peu, oui, parlé de la médecine, savent outre cela comment le cœur est composé, et comment tout le sang des veines peut facilement couler de la veine cave en son côté droit, et de la passer dans le poumon par le vaisseau qu'on nomme la veine artérieuse, puis retourner du poumon dans le côté gauche du cœur par le vaisseau nommé l'artère veineuse, et enfin passer de là dans la grande artère, dont les branches se répandent partout le corps. Même tous ceux que l'autorité des anciens n'a point entièrement aveuglés, et qui ont voulu ouvrir les yeux pour examiner l'opinion d'Hervaius, touchant la circulation du sang, ne doutent point que toutes les veines et les artères du corps de soi comme des ruisseaux, par où le sang coule sans cesse fort promptement, en prenant son cours de la cavité droite du cœur, par la veine artérieuse, dont les branches sont éparses en tout le poumon et jointes à celle de l'artère veineuse, par laquelle il passe du poumon dans le côté gauche du cœur. Puis de là, il va dans la grande artère, dont les branches éparses par tout le reste du corps, sont jointes aux branches de la veine cave, qui portent de rechef le même sang en la cavité droite du cœur. En sorte que ces deux cavités sont comme des écluses, par chacune desquelles passe tout le sang à chaque tour qu'il fait dans le corps. De plus, on sait que tous les mouvements des membres dépendent des muscles, et que ces muscles sont opposés les uns aux autres, en telle sorte que, lorsqu'un d'eux s'accourcit, il tire vers soi la partie du corps à laquelle il est attaché, ce qui fait allonger au même temps le muscle qui lui est opposé. Puis, s'il arrive en un autre temps que ce dernier s'accourcisse, il fait que le premier se rallonge. Et il retirent vers soi la partie à laquelle ils sont attachés. Enfin, on sait que tous ces mouvements des muscles, comme aussi tous les sens, dépendent des nerfs, qui sont comme de petits filets ou comme de petits tuyaux qui viennent tous du cerveau, et contiennent ainsi que lui un certain nerf ou vent très subtil qu'on nomme les esprits animaux. Article 8. Quel est le principe de toutes ces fonctions? mais on ne sait pas communément en quelle façon ces esprits animaux et ces nerfs contribuent au mouvement et au sens, ni quel est le principe corporel qui les fait agir. C'est pourquoi encore, que j'en ai déjà touché quelque chose en d'autres récits, je ne laisserai pas de dire ici succinctement que pendant que nous vivons, il y a une chaleur continuelle en notre cœur, qui est une espèce de feu que le sang des veines y entretient, et que ce feu est le principe corporel de tous les mouvements de nos membres. Article 9. Comment se fait le mouvement du cœur? Son premier effet est qu'il dilate le sang dont les cavités du cœur sont remplies, ce qui est cause que ce sang, ayant besoin d'occuper un plus grand lieu, passe avec impétuosité de la cavité droite dans la veine artérieuse et de la gauche dans la grande artère. Puis cette dilatation cessant, il entre un continent de nouveau sang de la veine cave en la cavité droite du cœur et de l'artère veineuse en la gauche car il y a de petites pauses entrées de ces quatre vaisseaux, tellement disposées qu'elles font que le sang ne peut entrer dans le cœur que par les deux derniers, ni en sortir que par les deux autres. Le nouveau sang entré dans le cœur y est incontinent, après raréfié en même temps que le précédent. Et c'est en cela seul que consiste le pouls, ou battement, du cœur et des artères, en sorte que ce battement se réitère autant de fois qu'il entre de nouveau sang dans le cœur. C'est aussi cela seul qui donne au sang son mouvement. Et fait qu'il coule sans cesse très vite en toutes les artères et les veines, au moyen de quoi il porte la chaleur qu'il acquiert dans le cœur à toutes les autres parties du corps, et il leur sert de nourriture. Article 10 Comment les esprits animaux sont produits dans le cerveau Mais ce qu'il y a ici de plus considérable, c'est que toutes les plus vives et plus subtiles parties du sang que la chaleur a raréfiées dans le cœur entrent sans cesse en grande quantité dans les cavités du cerveau. Et la raison qui fait qu'elles y vont plutôt qu'en aucun autre lieu est que tout le sang qui sort du cœur par la grande artère prend son cours en ligne droite vers ce lieu-là, et que n'y pouvant pas tout entrer à cause qu'il n'y a que des passages fort étroits, celles de ces parties qui sont les plus agitées et les plus subtiles y passent seules pendant que le reste se répand en tous les autres endroits du corps. Or, ces parties du sang très subtiles composent les esprits animaux et elles n'ont besoin à cet effet de recevoir aucun autre changement dans le cerveau, sinon qu'elles y sont séparées des autres parties du sang moins subtiles. Car ce que je nomme ici des esprits ne sont que des corps, et ils n'ont point d'autres propriétés, sinon que ce sont des corps très petits et qui se meuvent très vite, ainsi que les parties de la flamme qui sort d'un flambeau, en sorte qu'ils ne s'arrêtent en aucun lieu, et qu'à mesure qu'il en entre quelques uns dans les cavités du cerveau, il en sort aussi quelques autres par les pores qui sont en sa substance, lesquels pores les conduisent dans les nerfs et de là dans les muscles, au moyen de quoi il meuve le corps en toutes les diverses façons qu'il peut être mu. Article 11 Comment se font les mouvements des muscles? Car la seule chose de tous les mouvements des membres est que quelques muscles s'accourcissent et que leurs opposés s'allongent, ainsi qu'il a déjà été dit. Et la seule cause qui fait qu'un muscle s'accourcit plutôt que son opposé, est qu'il vient tant soit peu plus d'esprits du cerveau vers lui que vers l'autre. Non pas que les esprits qui viennent immédiatement du cerveau suffisent seuls pour mouvoir ces muscles, mais ils déterminent les autres esprits qui sont déjà dans ces deux muscles à sortir tous fort promptement de l'un d'eux et passer dans l'autre, au moyen de quoi celui d'où ils sortent devient plus long et plus lâche, et celui dans lequel ils entrent, étant promptement enflé par eux, s'accourcit et tire le membre auquel il est attaché. Ce qui est facile à concevoir, pourvu que l'on sache qu'il n'y a que fort peu d'esprits animaux qui viennent continuellement du cerveau vers chaque muscle, mais qu'il y a toujours quantité d'autres enfermés dans le même muscle qui s'y meuvent très vite, quelquefois en tournoyant seulement dans le lieu où ils sont, à savoir lorsqu'ils ne trouvent point de passages ouverts pour en sortir, et quelquefois en coulant dans le muscle opposé. D'autant qu'il y a de petites ouvertures en chacun de ces muscles par où ces esprits peuvent couler de l'un dans l'autre et qui sont tellement disposés que lorsque les esprits qui viennent du cerveau vers l'un d'eux ont en soit peu plus de force que ceux qui vont vers l'autre, ils ouvrent toutes les entrées par où les esprits de l'autre muscle peuvent passer en celui-ci et ferment en même temps toutes celles par où les esprits de celui-ci peuvent passer en l'autre au moyen de quoi tous les esprits contenus auparavant en ces deux muscles S'assemblent en l'un d'eux fort promptement, et ainsi l'enflent et l'accourcissent, pendant que l'autre s'allonge et se relâche. Article 12. Comment les objets de dehors agissent contre les organes d'essence Il reste encore ici à savoir les causes qui font que les esprits ne coulent pas toujours du cerveau dans les muscles en même façon, et qu'il en vient quelquefois plus vers les uns que vers les autres, car outre l'action de l'âme qui véritablement est en nous l'une de ces causes, ainsi que je dirai ci-après, il y en a encore deux autres qui ne dépendent que du corps, lesquelles il est besoin de remarquer. La première consiste en la diversité des mouvements qui sont excités dans les organes d'essence par leur objet, laquelle j'ai déjà expliqué assez amplement en la dioptrique, mais enfin que ceux qui verront cet écrit n'aient pas besoin d'en avoir lu d'autres. Je répéterai ici qu'il y a trois choses à considérer dans les nerfs, à savoir leur moelle ou substance intérieure qui s'étend en forme de petits filets depuis les cerveaux. D'où elle prend son origine jusqu'aux extrémités des autres membres auxquels ces filets sont attachés, puis les peaux qui les environnent et qui, étant continues avec celles qui enveloppent le cerveau, composent de petits tuyaux dans lesquels ces petits filets sont enfermés. Puis enfin, les esprits animaux qui, étant portés par ces mêmes tuyaux depuis les cerveaux jusqu'aux muscles, sont cause que ces filets y demeurent entièrement libres et étendus, en telle sorte que la moindre chose qui meut la partie du corps où l'extrémité de quelqu'un d'eux est attachée fait mouvoir par même moyen la partie du cerveau d'où il vient en même façon que lorsqu'on tire un des bouts d'une corde on fait mouvoir l'autre article 29 explication de son autre partie j'ajoute qu'elle se rapporte particulièrement à l'âme pour les distinguer des autres sentiments qu'on rapporte les uns aux objets extérieurs comme les odeurs les sons les couleurs les autres à notre corps comme la faim, la soif, la douleur. J'ajoute aussi qu'elles sont causées, entretenues et fortifiées par quelques mouvements des esprits, afin de les distinguer de nos volontés, qu'on peut nommer des émotions de l'âme, qui se rapportent à elles, mais qui sont causées par elles-mêmes, et aussi afin d'expliquer leur dernière et plus prochaine cause qui les distingue de recherche des autres sentiments. Article 30 Que l'homme est uni à toutes les parties du corps conjointement. Mais pour entendre plus parfaitement toutes ces choses, il est besoin de savoir que l'homme est véritablement joint à tout le corps, et qu'on ne peut pas proprement dire qu'elle soit en quelqu'une de ses parties à l'exclusion des autres, à cause qu'il est un et en quelque façon indivisible, à raison de la disposition de ses organes qui se rapportent tellement tous à l'un à l'autre que lorsque quelqu'un d'eux est ôté, cela rend tout le corps défectueux, et à cause qu'elle est d'une nature qui n'a aucun rapport à l'étendue. Ni aux dimensions ou d'autres propriétés de la matière dont le corps est composé, mais seulement à tout l'assemblage de ses organes. Comme il paraît de ce qu'on ne saurait aucunement concevoir la moitié ou le tiers d'une âme, ni quelle étendue elle occupe, et qu'elle ne devient point corps, mais qu'elle s'en sépare entièrement lorsqu'on dissout l'assemblage de ses organes. Article 31. Qu'il y a une petite glande dans le cerveau en laquelle l'âme exerce ses fonctions plus particulièrement que dans les autres parties. Il est besoin aussi de savoir que bien que l'homme soit joint à tout le corps, il y a néanmoins en lui quelques parties en laquelle elle exerce ses fonctions plus particulièrement qu'en toutes les autres. Et on croit communément que cette partie est le cerveau ou peut-être le cœur. Le cerveau, à cause que c'est à lui que se rapportent les organes d'essence, et le cœur, à cause que c'est comme en lui qu'on sent les passions. Mais en examinant la chose avec soin, il me semble avoir évidemment reconnu que la partie du corps, en laquelle l'homme exerce immédiatement ses fonctions n'est nullement le cœur, ni aussi tout le cerveau, mais seulement la plus intérieure de ses parties, qui est une certaine glande fort petite, située dans le milieu de sa substance, et tellement suspendue au-dessus du conduit, par lequel les esprits de ses cavités antérieures ont communication avec ceux de la postérieure, que les moindres mouvements qui sont en elle peuvent beaucoup pour changer le cours de ses esprits, et réciproquement, que les moindres changements qui arrivent au cours des esprits peuvent beaucoup pour changer les mouvements de cette glande. Article 32 Comment on connaît que cette glande est le principal siège de l'âme La raison qui me persuade que l'âme ne peut avoir en tout le corps aucun autre lieu que cette glande où elle exerce immédiatement ses fonctions est que je considère que les autres parties de notre cerveau sont toutes doubles, comme aussi nous avons deux yeux, deux mains, deux oreilles. Et enfin, tous les organes de nos sens extérieurs sont doubles, et que, d'autant que nous n'avons qu'une seule et simple pensée, d'une même chose en même temps, il faut nécessairement qu'il y ait quelques lieux où les deux images, qui viennent par les deux yeux, ou les deux autres impressions, qui viennent d'un seul objet, par les doubles organes des autres sens, se puissent assembler en une avant qu'elles parviennent à l'âme, afin qu'elles ne lui représentent pas deux objets au lieu d'un. Et on peut aisément concevoir. Que ces images ou autres impressions se réunissent en cette glande par l'entremise des esprits qui remplissent les cavités du cerveau, mais il n'y a aucun autre endroit dans le corps où elles puissent ainsi être unies, sinon ensuite de ce qu'elles le sont en cette glande. Article 33. Que le siège des passions n'est pas dans le cœur. Pour l'opinion de ceux qui pensent que l'homme reçoit ses passions dans le cœur, elle n'est aucunement considérable, car elle n'est fondée que sur ce que les passions y font sentir. Quelque altération. Et il est aisé à remarquer que cette altération n'est sentie, comme dans le cœur, que par l'entremise d'un petit nerf qui descend du cerveau vers lui, ainsi que la douleur est sentie comme dans le pied par l'entremise des nerfs du pied, et les astres sont aperçus dans le ciel par l'entremise de leur lumière et des nerfs optiques, en sorte qu'il n'est pas plus nécessaire que notre homme exerce immédiatement ses fonctions dans le cœur pour y sentir ses passions. Qu'il est nécessaire qu'elle soit dans le ciel pour y voir les astres. Article 34. Comment l'âme et le corps agissent l'un contre l'autre. Concevons donc ici que l'homme a son siège principal dans la petite glande, qui est au milieu du cerveau, où elle rayonne en tout le reste du corps par l'entremise des esprits, des nerfs et même du sang, qui, participant aux impressions des esprits, les peut porter par les artères en tous les membres. Et nous, se venant de ce qui a été dit ci-dessus de la machine de l'autre corps, à savoir que les petits filets de nos nerfs sont tellement distribués en toutes ces parties, qu'à l'occasion des divers mouvements qui y sont excités par les objets sensibles, ils ouvrent diversement les pores du cerveau, ce qui fait que les esprits animaux contenus en ces cavités entrent diversement dans les muscles, au moyen de quoi ils peuvent mouvoir les membres, en toutes les diverses façons qu'ils sont capables d'être mus et aussi que toutes les autres causes qui peuvent diversement mouvoir les esprits suffisent pour les conduire en divers muscles. Ajoutons ici que la petite glande qui est le principal siège de l'âme est tellement suspendue entre les cavités qui contiennent ces esprits qu'elle peut être mue par eux en autant de diverses façons qu'il y a de diversités sensibles dans les objets, mais qu'elle peut aussi être diversement mue par l'âme laquelle est de telle nature qu'elle reçoit autant de diverses impressions en elle, c'est-à-dire qu'elle a autant de diverses perceptions qu'il arrive de divers mouvements en cette glande. Comme aussi réciproquement la machine du corps est tellement composée que, de cela seul, que cette glande est diversement mue par l'homme, ou par telle autre cause que ce puisse être, elle pousse les esprits qui l'environnent vers les pores du cerveau qui les conduisent par les nerfs dans les muscles, au moyen de quoi elle leur fait mouvoir les membres. Article 35. Exemple de la façon que les impressions des objets s'unissent en la glande qui est au milieu du cerveau. Ainsi, par exemple, si nous voyons quelque animal venir vers nous, la lumière réfléchie de son corps en peint deux images, une en chacun de nos yeux, et ces deux images en forment deux autres, par l'entremise des nerfs optiques, dont la superficie intérieure du cerveau, qui regarde ses concavités, puis de là, par l'entremise des esprits, dont ces cavités sont remplies. Ces images rayonnent. En telle sorte vers la petite glande que ses esprits environnent, que le mouvement qui compose chaque point de l'une des images rend vers le même point de la glande vers lequel tend le mouvement qui forme le point de l'autre image, lequel représente la même partie de cet animal, au moyen de quoi les deux images qui sont dans le cerveau n'en composent qu'une seule sur la glande, qui, agissant immédiatement contre l'homme, lui fait voir la figure de cet animal. Article 36 exemple de la façon que les passions sont excitées en l'âme. Et outre cela, si cette figure est fort étrange et fort effroyable, c'est-à-dire si elle a beaucoup de rapport avec les choses qui ont été auparavant nuisibles au corps, cela excite en l'âme la passion de la crainte, et ensuite celle de la hardiesse, ou bien celle de la peur et de l'épouvante, selon le divers tempérament du corps ou la force de l'âme, et selon qu'on s'est auparavant garanti par la défense ou par la fuite contre les choses nuisibles, Auxquelles l'impression présente a du rapport, car cela rend le cerveau tellement disposé en quelques hommes que les esprits réfléchis de l'image ainsi formée sur la glande vont de là se rendre partis dans les nerfs qui servent à tourner le dos et remuer les jambes pour s'enfuir, et partis en ceux qui élargissent ou étrécissent tellement les orifices du cœur, ou bien qui agitent tellement les autres parties d'où le sang lui est envoyé, que ce sang y étant raréfié d'autre façon que de coutume, il envoie des esprits au cerveau qui sont propres à entretenir et fortifier la passion de la peur, c'est-à-dire qui sont propres à tenir ouverts ou bien à ouvrir de rechef les pores du cerveau qui les conduisent dans les mêmes nerfs. Car de cela seul que ces esprits entrent en ces pores, ils excitent un mouvement particulier en cette glande, lequel est institué de la nature pour faire sentir à l'âme cette passion, et parce que ces pores se rapportent principalement aux petits nerfs qui servent à resserrer ou élargir les orifices du cœur, cela fait que l'homme la sent principalement comme dans le cœur. Article 37. Comment il paraît qu'elles sont toutes causées par quelques mouvements des esprits Et parce que le semblable arrive en toutes les autres passions, à savoir qu'elles sont principalement causées par les esprits, contenus dans les cavités du cerveau, en tant qu'ils prennent leur cours vers les nerfs, qui servent à élargir ou étrécir les orifices du cœur, ou à pousser diversement vers lui. Le sang qui est dans les autres parties, ou en quelque façon que ce soit, à entretenir la même passion, on peut clairement entendre de ceci pourquoi j'ai mis ci-dessus en leur définition qu'elles sont causées par quelques mouvements particuliers des esprits. Article 38. Exemple des mouvements du corps qui accompagnent les passions et ne dépendent point de l'homme. Ou reste en même façon que le cours que prennent ces esprits vers les nerfs du cœur suffit pour donner le mouvement à la glande, par lequel la peur est mise dans l'âme, ainsi aussi, par cela seul que quelques esprits vont en même temps vers les nerfs, qui servent à remuer les jambes pour fuir, ils causent un autre mouvement, dans la même glande par le moyen duquel l'homme sent et aperçoit cette fuite, laquelle peut en cette façon être excitée dans le corps par la seule disposition des organes, et sans que l'âme y contribue. Article 39. Comment une même cause peut exciter diverses passions en divers hommes la même impression que la présence d'un objet effroyable fait sur la glande, et qui cause la peur en quelques hommes, peut exciter en d'autres le courage et la hardiesse, dont la raison est que tous les cerveaux ne sont pas disposés en même façon, et que le même mouvement de la glande, qui en quelques-uns excite la peur, fait dans les autres que les esprits entrent dans les pores du cerveau, qui les conduisent partis dans les nerfs, qui servent à remuer les mains pour se défendre et partie en ceux qui agitent et poussent le sang vers le cœur, en la façon qui est requise pour produire des esprits propres à continuer cette défense et en retenir la volonté. Article 40. Quel est le principal effet des passions Car il est besoin de remarquer que le principal effet de toutes les passions dans les hommes est qu'elles incitent et disposent leur âme à vouloir les choses auxquelles elles préparent leur corps, en sorte que le sentiment de la peur l'incite à vouloir fuir celui de la hardiesse à vouloir combattre, et ainsi des autres. Article 41. Quel est le pouvoir de l'homme au regard du corps Mais la volonté est tellement libre de sa nature qu'elle ne peut jamais être contrainte. Et des deux sortes de pensées que j'ai distinguées en l'homme, dont les unes sont ses actions, à savoir ses volontés, les autres ses passions, en prenant ce mot en sa plus générale signification, qui comprend toutes sortes de perceptions, les premières sont absolument en son pouvoir. Ils ne peuvent qu'indirectement être changés par le corps, comme au contraire les dernières dépendent absolument des actions qui les produisent, et elles ne peuvent qu'indirectement être changées par l'âme, excepté lorsqu'elle est elle-même leur cause. Et toute l'action de l'âme consiste en ce que, par cela seul qu'elle veut quelque chose, elle fait que la petite glande à qui elle est étroitement jointe se meut en la façon qui est requise pour produire l'effet qui se rapporte à cette volonté. Article 42 comment on trouve en trouvant sa mémoire les choses dont on veut se souvenir. Ainsi, lorsque l'âme veut se souvenir de quelque chose, cette volonté fait que la glande, se penchant successivement vers divers côtés, pousse les esprits vers divers endroits du cerveau, jusqu'à ce qu'elle rencontre celui où sont les traces que l'objet dont on veut se souvenir y a laissées, car ces traces ne sont autre chose sinon que les pores du cerveau, par où les esprits ont auparavant pris leur cours à cause de la présence de cet objet ont acquis par cela une plus grande facilité que les autres à être ouverts de rechef, en même façon par les esprits qui viennent vers eux, en sorte que ces esprits rencontrant ces pores entrent dedans plus facilement que dans les autres, au moyen de quoi ils excitent un mouvement particulier en la glande, lequel représente à l'âme le même objet et lui fait connaître qu'il est celui duquel elle voulait se souvenir. Article 43. Comment l'homme peut imaginer être attentive et mouvoir le corps? Ainsi, quand on veut imaginer quelque chose qu'on n'a jamais vu, cette volonté a la force de faire que la glande se meut à la façon qui est requise pour pousser les esprits vers les pores du cerveau, par l'ouverture desquels cette chose peut être représentée. Ainsi, quand on veut arrêter son attention, à considérer quelque temps un même objet, cette volonté retient la glande pendant ce temps-là penchée vers un même côté. Ainsi, enfin, quand on veut marcher ou mouvoir son corps en quelque autre façon, cette volonté fait que la glande pousse les esprits vers les muscles qui servent à cet effet. Article 138 De leurs défauts et des moyens de les corriger. Mais encore que cet usage des passions soit le plus naturel qu'elles puissent avoir, et que tous les animaux sans raison ne conduisent leur vie que par des mouvements corporels, semblables à ceux qui ont coutume en nous de les suivre, et auxquels elles incitent notre âme à consentir, il n'est pas néanmoins toujours bon, d'autant qu'il y a plusieurs choses nuisibles au corps qui ne causent au commencement aucune tristesse, ou même qui donnent de la joie, et d'autres qui lui sont utiles, bien que d'abord elles soient incommodes. En outre cela, elles font paraître presque toujours, tant les biens que les maux qu'elles représentent, beaucoup plus grands et plus importants qu'ils ne sont, en sorte qu'elles nous incitent à rechercher les uns et fuir les autres, avec plus d'ardeur et plus de soin qu'il n'est convenable. Comme nous voyons aussi que les bêtes sont souvent trompées par des appâts et que pour éviter de petits maux, elles se précipitent en de plus grands. C'est pourquoi nous devons nous servir de l'expérience et de la raison pour distinguer le bien d'avec le mal et connaître leur juste valeur afin de ne prendre pas l'un pour l'autre et de ne nous porter à rien avec excès. Article 139 de l'usage des mêmes passions en tant qu'elles appartiennent à l'âme et premièrement de l'amour ce qui suffirait si nous n'avions en nous que le corps ou qu'il fût notre meilleure partie mais d'autant qu'il n'est que la moindre, nous devons principalement considérer les passions en tant qu'elles appartiennent à l'âme, au regard de laquelle l'amour et la haine viennent de la connaissance et précèdent la joie et la tristesse, excepté lorsque ces deux dernières tiennent le lieu de la connaissance, dont elles sont des espèces. Et lorsque cette connaissance est vraie, c'est-à-dire que les choses qu'elles nous portent à aimer sont véritablement bonnes, et celles qu'elle nous porte à haïr sont véritablement mauvaises, l'amour est incomparablement meilleur que la haine. Elle ne saurait être trop grande, elle ne manque jamais de produire la joie. Je dis que cet amour est extrêmement bon, parce que, joignant à nous de vrais biens, elle nous perfectionne d'autant. Je dis aussi qu'elle ne saurait être trop grande, car tout ce que la plus excessive peut faire, c'est de nous joindre si parfaitement à ses biens que l'amour que nous avons particulièrement pour nous-mêmes n'y mette aucune distinction. Ce que je crois ne pouvoir jamais être mauvais. Et elle est nécessairement suivie de la joie, à cause qu'elle nous représente ce que nous aimons comme un bien qui nous appartient. Article 140 De la haine. La haine, au contraire, ne saurait être si petite qu'elle ne nuise, et elle n'est jamais sans tristesse. Je dis qu'elle ne saurait être trop petite, à cause que nous ne sommes incités à aucune action par la haine du mal, que nous ne le puissions être encore mieux par l'amour du bien, auquel il est contraire. Au moins lorsque ce bien et ce mal sont assez connus. Car j'avoue que la haine du mal, qui n'est manifestée que par la douleur, est nécessaire au regard du corps. Mais je ne parle ici que de celle qui vient d'une connaissance plus claire, et je ne la rapporte qu'à l'homme. Je dis aussi qu'elle n'est jamais sans tristesse, à cause que le mal n'étant qu'une privation, il ne peut être conçu sans quelque sujet réel, dans lequel il soit. Et il n'y a rien de réel qui n'ait en soi quelque bonté de façon que la haine qui nous éloigne de quelque mal nous éloigne par même moyen du bien auquel il est joint, et la privation de ce bien, étant représentée à notre homme comme un défaut qui lui appartient, excite en elle la tristesse. Par exemple la haine qui nous éloigne des mauvais mœurs de quelqu'un nous éloigne par même moyen de sa conversation, en laquelle nous pourrions sans cela trouver quelque bien duquel nous sommes fâchés d'être privés. Et ainsi, en toutes les autres haines, on peut remarquer quelques sujets de tristesse. Article 141 Du désir, de la joie et de la tristesse. Pour le désir, il est évident que lorsqu'il procède d'une vraie connaissance, il ne peut être mauvais, pourvu qu'il ne soit point excessif et que cette connaissance le règle. Il est évident aussi que la joie ne peut manquer d'être bonne, ni la tristesse d'être mauvaise, au regard de l'homme. Parce que c'est en la dernière que consiste toute l'incommodité que l'homme reçoit du mal, et en la première que consiste toute la jouissance du bien qui lui appartient. De façon que si nous n'avions point de corps, j'oserais dire que nous ne pourrions trop nous abandonner à l'amour et à la joie, ni trop éviter la haine et la tristesse. Mais les mouvements corporels qui les accompagnent peuvent tous être nuisibles à la santé, lorsqu'ils sont fort violents, et au contraire lui être utiles lorsqu'ils ne sont que modérés. Article 142 De la joie et de l'amour, comparé avec la tristesse et la haine. Au reste, puisque la haine et la tristesse doivent être rejetées par l'homme, lors même qu'elles procèdent d'une vraie connaissance, elles doivent l'être à plus forte raison, lorsqu'elles viennent de quelque fausse opinion. Mais on peut douter si l'amour et la joie sont bonnes ou non, lorsqu'elles sont ainsi mal fondées. Et il me semble que si on ne les considère précisément que ce qu'elles sont en elles-mêmes au regard de l'homme, on peut dire que bien que la joie soit moins solide et l'amour moins avantageuse que lorsqu'elles ont un meilleur fondement, elles ne laissent pas d'être préférables à la tristesse et à la haine aussi mal fondées. En sorte que dans les rencontres de la vie, où nous ne pouvons éviter le hasard d'être trompés, nous faisons toujours beaucoup mieux de pencher vers les passions, qui tendent au bien, que vers celles qui regardent le mal, encore que ce ne soit que pour l'éviter. Et même souvent, une fausse joie vaut mieux qu'une tristesse dont la cause est vraie. Mais je n'ose pas dire de même de l'amour au regard de la haine, car lorsque la haine est juste, elle ne nous éloigne que du sujet, qui contient le mal, dont il est bon d'être séparé. Au lieu que l'amour qui est injuste nous joint à des choses qui peuvent nuire, ou du moins qui ne méritent pas d'être tant considérées par nous qu'elles sont, et qui nous avilient et nous abaissent. Article 143 Des mêmes passions en tant qu'elles se rapportent au désir, et il faut exactement remarquer que ce que je viens de dire de ces quatre passions n'a lieu que lorsqu'elles sont considérées précisément en elles mêmes, et qu'elles ne nous portent à aucune action car, en tant qu'elles excitent en nous le désir, par l'entremise duquel elles règlent nos mœurs, il est certain que toutes celles dont la cause est fausse peuvent nuire, et qu'au contraire toutes celles dont la cause est juste peuvent servir, et même que lorsqu'elles sont également mal fondées, la joie est ordinairement plus nuisible que la tristesse parce que celle-ci, donnant de la retenue et de la crainte, dispose en quelque façon à la prudence, au lieu que l'autre rend inconsidéré et téméraire ceux qui s'abandonnent à elle. Article 144. des désirs dont l'événement ne dépend que de nous, mais parce que ces passions ne nous peuvent porter à aucune action que par l'entremise du désir qu'elles excitent, c'est particulièrement ce désir que nous devons avoir soin de régler. Et c'est en cela que consiste la principale utilité de la morale. Or, comme j'ai tantôt dit qu'il est toujours bon lorsqu'il suit une vraie connaissance, ainsi il ne peut manquer d'être mauvais lorsqu'il est fondé sur quelque erreur. Et il me semble que l'erreur qu'on commet le plus ordinairement, touchant les désirs, est qu'on ne distingue pas assez les choses, qui dépendent entièrement de nous, de celles qui n'en dépendent point. Car, pour celles qui ne dépendent que de nous, c'est-à-dire de notre libre arbitre, il suffit de savoir qu'elles sont bonnes, pour ne les pouvoir désirer avec trop d'ardeur, à cause que c'est suivre la vertu que de faire les choses bonnes qui dépendent de nous, et il est certain qu'on ne saurait avoir un désir trop ardent pour la vertu. Outre que ce que nous désirons en cette façon ne pouvant manquer de nous réussir, puisque c'est de nous seuls qu'il dépend, nous en recevons toujours toute la satisfaction que nous en avons attendue. Mais la faute qu'on a coutume de commettre en ceci n'est jamais qu'on désire trop, c'est seulement qu'on désire trop peu. Et le souverain remède contre cela est de se délivrer l'esprit autant qu'il se peut de toutes sortes d'autres désirs moins utiles, puis de tâcher de connaître bien clairement et de considérer avec attention la bonté de ce qui est à désirer. Article 145 de ceux qui ne dépendent que des autres causes, et ce que c'est que la fortune. Pour les choses qui ne dépendent aucunement de nous, tant bonnes qu'elles puissent l'être, on ne les doit jamais désirer avec passion. Non seulement à cause qu'elles peuvent n'arriver pas, et par ce moyen nous affliger d'autant plus que nous les aurons plus souhaitées, mais principalement à cause qu'en occupant notre pensée, elles nous détournent de porter notre affection à d'autres choses, dont l'acquisition dépend de nous. Et il y a deux remèdes généraux contre ces vains désirs. Le premier est la générosité, de laquelle je parlerai ci-après. Le second est que nous devons souvent faire réflexion sur la providence divine, et nous représenter qu'il est impossible qu'aucune chose arrive d'autre façon qu'elle a été déterminée de toute éternité par cette Providence, en sorte qu'elle est comme une fatalité, ou une nécessité immuable qu'il faut opposer à la fortune, pour la détruire comme une chimère qui ne vient que de l'erreur de notre entendement, car nous ne pouvons désirer que ce que nous estimons en quelque façon être possible, et nous ne pouvons estimer possibles les choses qui ne dépendent point de nous qu'en tant que nous pensons qu'elles dépendent de la fortune, c'est-à-dire que nous jugeons qu'elles peuvent arriver et qu'il en est arrivé autrefois de semblables or cette opinion n'est fondée que sur ce que nous ne connaissons pas toutes les causes qui contribuent à chaque effet car lorsque les chose que nous avons estimée dépendre de la fortune n'arrive pas cela témoigne que quelqu'une des causes qui étaient nécessaires pour la produire a manqué et par conséquent qu'elle était absolument impossible et qu'il n'en est jamais arrivé de semblable c'est-à-dire à la production de laquelle une pareille cause est aussi manquée. En sorte que si nous n'eussions point ignoré cela auparavant, nous ne l'eussions jamais estimé possible, ni par conséquent ne l'eussions désiré. Article 146 De ceux qui dépendent de nous et d'autrui. Il faut donc entièrement rejeter l'opinion vulgaire qu'il y a hors de nous une fortune qui fait que les choses arrivent ou n'arrivent pas, selon son plaisir, et savoir que tout est conduit par la providence divine dont le décret éternel est tellement infaillible et immuable qu'excepté les choses que ce même décret a voulu dépendre de notre libre arbitre, nous devons penser qu'à notre égard, il n'arrive rien qui ne soit nécessaire et comme fatal, en sorte que nous ne pouvons sans erreur désirer qu'il arrive d'autre façon. Mais parce que la plupart de nos désirs s'étendent à des choses qui ne dépendent pas toutes de nous, ni toutes d'autrui, nous devons exactement distinguer en elles ce qui ne dépend que de nous afin de n'étendre notre désir qu'à cela seul. Et pour le surplus, encore que nous en devions estimer le succès entièrement fatal et immuable, afin que notre désir ne s'y occupe point, nous ne devons pas laisser de considérer les raisons qui le font plus ou moins espérer, afin qu'elles servent à régler nos actions. Car, par exemple, si nous avons affaire en quelque lieu où nous puissions aller par deux divers chemins, l'un desquels est coutume d'être beaucoup plus sûr que l'autre, bien que peut-être le décret de la providence soit tel que si nous allons par le chemin qu'on estime le plus sûr, nous ne manquerons pas d'y être volés, et qu'au contraire nous pourrons passer par l'autre sans aucun danger. Nous ne devons pas pour cela être indifférents à choisir l'un ou l'autre, ni nous reposer sur la fatalité immuable de ce décret. Mais la raison veut que nous choisissions le chemin qui a coutume d'être le plus sûr, et notre désir doit être accompli, touchant, lorsque cela nous l'avons suivi, quelque mal qu'il nous en soit arrivé, à cause que ce mal ayant été à notre égard inévitable, nous n'avons eu aucun sujet de souhaiter d'en être exempt, mais seulement de faire tout le mieux que notre entendement a pu connaître, ainsi que je suppose que nous avons fait. Et il est certain que lorsqu'on s'exerce à distinguer ainsi la fatalité de la fortune, on s'accoutume aisément à régler ses désirs, en telle sorte que, d'autant que leur accomplissement ne dépend que de nous, ils peuvent toujours nous donner une entière satisfaction. Article 147 des émotions intérieures de l'âme. J'ajouterai seulement encore ici une considération qui me semble beaucoup servir pour nous empêcher de recevoir aucune incommodité des passions. C'est que notre bien et notre mal dépendent principalement des émotions intérieures, qui ne sont excitées en l'homme que par l'homme même. En quoi elles diffèrent de ces passions, qui dépendent toujours de quelques mouvements des esprits? Et bien que ces émotions de l'âme soient souvent jointes avec les passions qui leur sont semblables, elles peuvent souvent aussi se rencontrer avec d'autres, et même naître de celles qui leur sont contraires. Par exemple, lorsqu'un mari pleure sa femme morte, laquelle, ainsi qu'il arrive quelquefois, il serait fâché de voir ressusciter, il se peut faire que son cœur est serré par la tristesse, que l'appareil des funérailles et l'absence d'une personne à la conversation de laquelle il était accoutumé excitent en lui, et il se peut faire que quelques restes d'amour ou de pitié qui se présentent à son imagination tirent de véritables larmes de ses yeux. Nonobstant qu'il sente cependant une joie secrète dans le plus intérieur de son âme, l'émotion de laquelle a tant de pouvoir que la tristesse et les larmes qui l'accompagnent ne peuvent rien diminuer de sa force. Et lorsque nous lisons des aventures étranges dans un livre, ou que nous les voyons représentées sur un théâtre, cela excite quelquefois en nous la tristesse, quelquefois la joie, ou l'amour, ou la haine, et généralement toutes les passions, selon la diversité des objets qui s'offrent à notre imagination, mais avec cela nous avons du plaisir de les sentir excités en nous, et ce plaisir est une joie intellectuelle, qui peut aussi bien être de la tristesse que de toutes les autres passions. Article 148 Que l'exercice de la vertu est un souverain remède contre les passions. Or, d'autant que ces émotions intérieures nous touchent de plus près, et ont par conséquent beaucoup plus de pouvoir sur nous que les passions, dont elles diffèrent, qui se rencontrent avec elles, il est certain que pourvu que notre âme ait toujours de quoi se contenter en son intérieur, tous les troubles qui viennent d'ailleurs n'ont aucun pouvoir de lui nuire, mais plutôt ils servent à augmenter sa joie, en ce que, voyant qu'elle ne peut être offensée par eux, cela lui fait connaître sa perfection. Et afin que notre âme ait ainsi de quoi être contente, elle n'a besoin que de suivre exactement la vertu car quiconque a vécu en telle sorte que sa conscience ne lui peut reprocher qu'il n'ait jamais manqué à faire toutes les choses qu'il a jugées être les meilleures, qui est ce que je nomme ici suivre la vertu, il en reçoit une satisfaction qui est si puissante pour le rendre heureux que les plus violents efforts des passions n'ont jamais assez de pouvoir pour troubler la tranquillité de son âme. Article 76. En quoi elle peut nuire et comment on peut suppléer à son défaut et corriger son excès. Mais il arrive bien plus souvent qu'on admire trop et qu'on s'étonne en apercevant des choses qui ne méritent que peu ou point d'être considérées que non pas qu'on admire trop peu et cela peut entièrement ôter ou pervertir l'usage de la raison c'est pourquoi encore qu'il soit bon d'être né avec quelque inclination à cette passion parce que cela nous dispose à l'acquisition des sciences nous devons toutefois tâcher par après de nous délivrer le plus qu'il est possible car il est aisé de suppléer à son défaut par une réflexion et attention particulière à laquelle notre volonté peut toujours obliger notre entendement lorsque nous jugeons que la chose qui se présente en vaut la peine. Mais il n'y a point d'autre remède pour s'empêcher d'admirer avec excès que d'acquérir la connaissance de plusieurs choses et de s'exercer en la considération de toutes celles qui peuvent sembler les plus rares et les plus étranges. Article 77. Que ce ne sont ni les plus stupides ni les plus habiles qui sont le plus portés à l'admiration. Ou reste, encore qu'il n'y ait que ceux qui sont hébétés et stupides, qui ne sont point portés de leur naturelle à l'admiration, ce n'est pas à dire que ceux qui ont le plus d'esprit y soient toujours le plus enclins. Mais ce sont principalement ceux qui, bien qu'ils aient un sens commun assez bon, n'ont pas toutefois grande opinion de leur suffisance. Article 78. Que son excès peut passer en habitude lorsque l'on manque de le corriger. Et bien que cette passion semble se diminuer par l'usage, à cause que plus on rencontre de choses rares qu'on admire, plus on s'accoutume à cesser de les admirer, et à penser que toutes celles qui se peuvent présenter par après sont vulgaires, toutefois lorsqu'elle est excessive et qu'elle fait qu'on arrête seulement son attention sur la première image des objets qui se sont présentés, sans en acquérir d'autres connaissances, elle laisse après soi une habitude qui dispose l'âme à s'arrêter en même façon sur tous les autres objets qui se présentent, pourvu qu'ils lui paraissent tant soit peu nouveaux. Et c'est ce qui fait durer la maladie de ceux qui sont aveuglément curieux, c'est-à-dire qui recherchent les raretés seulement pour les admirer et non point pour les connaître, car ils deviennent peu à peu si admiratifs que des choses de nulle importance ne sont pas moins capables de les arrêter que celles dont la recherche est plus utile. Article 79. Les définitions de l'amour et de la haine. L'amour est une émotion de l'homme causée par le mouvement des esprits, qui l'incite à se joindre de volonté aux objets qui paraissent lui être convenables, et la haine est une émotion causée par les esprits qui incite l'homme à vouloir être séparé des objets, qui se présentent à celles comme nuisibles. Je dis que ces émotions sont causées par les esprits, afin de distinguer l'amour et la haine, qui sont des passions et dépendent du corps, tant des jugements qui portent aussi l'homme à se joindre de volonté, avec les choses qu'elle estime bonnes et à se séparer de celles qu'elle estime mauvaises, que des émotions que ses seuls jugements excitent en l'âme. Article 80. Ce que c'est que se joindre ou se séparer de volonté Ou reste par le mot de volonté, je n'entends pas ici parler du désir, qui est une passion à part et se rapporte à l'avenir, mais du consentement par lequel on se considère dès à présent comme joint avec ce qu'on aime, en sorte qu'on imagine un tout duquel on pense être seulement une partie, et que la chose aimée en est une autre, comme au contraire en la haine on se considère au seul comme un tout entièrement séparé de la chose pour laquelle on a de l'aversion. Article 81 de la distinction qu'on a coutume de faire entre l'amour de concupiscence et de bienveillance. Or on distingue communément deux sortes d'amour, l'une desquelles est nommée amour de bienveillance, c'est-à-dire qui incite à vouloir du bien à ce qu'on aime. L'autre est nommé amour de concupiscence, c'est-à-dire qui fait désirer la chose qu'on aime. Mais il me semble que cette distinction regarde seulement les effets de l'amour, et non point son essence. Car sitôt qu'on s'est joint de volonté à quelque objet, de quelque nature qu'il soit, on a pour lui de la bienveillance, c'est-à-dire on joint aussi à lui de la volonté les choses qu'on croit lui être convenables. Ce qui est un des principaux effets de l'amour. Et si on juge que ce soit un bien de le posséder ou d'être associé avec lui d'autre façon que de volonté, on le désire, ce qui est aussi l'un des plus ordinaires effets de l'amour. Article 82. Comment des passions fort différentes conviennent en ce qu'elles participent de l'amour. Il n'est pas besoin aussi de distinguer autant d'espèces d'amour qu'il y a de divers objets qu'on peut aimer car par exemple, encore que les passions qu'un ambitieux a pour la gloire, un avaricieux pour l'argent, un ivrogne pour le vin, un brutal pour une femme qu'il veut violer, un homme d'honneur pour son ami ou pour sa maîtresse, et un bon père pour ses enfants soient bien différentes entre elles. Toutefois, en ce qu'elles participent de l'amour, elles sont semblables. Mais les quatre premiers n'ont de l'amour que pour la possession des objets, auxquels se rapportent leurs passions, et n'en ont point pour les objets même pour lesquels ils ont seulement du désir mêlé avec d'autres passions particulières. Au lieu que l'amour qu'un bon père a pour ses enfants est si pur qu'il ne désire rien d'avoir d'eux, et ne veut point les posséder autrement qu'il fait, ni être joint à eux plus étroitement qu'il est déjà, mais les considérant comme d'autres soi-même, il recherche leur bien comme le sien propre, ou même avec plus de soin, parce que, se représentant que lui et eux font un tout dont il n'est pas la meilleure partie, ils préfèrent souvent leurs intérêts aux siens, et ne craint pas de se perdre pour les sauver. L'affection que les gens d'honneur ont pour leurs amis est de cette même nature, bien qu'elle soit rarement si parfaite, et celle qu'ils ont pour leur maîtresse en participe beaucoup, mais elle participent aussi un peu de l'autre. Article 83, de la différence qui est entre la simple affection, l'amitié et la dévotion. On peut, ce me semble, avec meilleure raison, Distinguer l'amour par l'estime qu'on fait de ce qu'on aime, à comparaison de soi-même, car lorsqu'on estime l'objet de son amour moins que soi, on n'a pour lui qu'une simple affection. Lorsqu'on l'estime à l'égal de soi, cela se nomme amitié. Et lorsqu'on l'estime davantage, la passion qu'on a peut être nommée dévotion. Ainsi, on peut avoir de l'affection pour une fleur, pour un oiseau, pour un cheval, mais à moins que d'avoir l'esprit fort déréglé, on ne peut avoir de l'amitié que pour des hommes. Et ils sont tellement l'objet de cette passion qu'il n'y a point d'homme si imparfait qu'on ne puisse avoir pour lui une amitié très parfaite lorsqu'on pense qu'on en est aimé et qu'on a l'âme véritablement noble et généreuse, suivant ce qui sera expliqué ci-après en l'article 154 et 156. Pour ce qui est de la dévotion, son principal objet est sans doute la souveraine divinité, à laquelle on ne saurait manquer d'être dévot lorsqu'on la connaît comme il faut. Mais on peut aussi avoir de la dévotion pour son prince, pour son pays, pour sa ville, et même pour un homme particulier, lorsque l'on l'estime beaucoup plus que soi. Or, la différence qui est entre ces trois sortes d'amour paraît principalement par leurs effets. Car d'autant qu'en toutes on se considère comme joint et uni à la chose aimée, on est toujours prêt d'abandonner la moindre partie du tout qu'on compose avec elle pour conserver l'autre. Ce qui fait qu'en la simple affection, l'on se préfère toujours à ce qu'on aime. Et qu'au contraire, en la dévotion, l'on préfère tellement la chose aimée à soi-même qu'on ne craint pas de mourir pour la conserver. De quoi on a vu souvent des exemples en ceux qui se sont exposés à une mort certaine pour la défense de leur prince ou de leur ville, et même aussi quelquefois pour des personnes particulières auxquelles ils s'étaient dévoués. Article 84. Qu'il n'y a pas tant d'espèces de haine que d'amour, encore que la haine soit directement opposée à l'amour. On ne la distingue pas toutefois en autant d'espèces, à cause qu'on ne remarque pas tant la différence qui est entre les maux desquels on est séparé de volonté, qu'on fait celle qui est entre les siens auxquels on est joint. Article 85. De l'agrément et de l'horreur. Et je ne trouve qu'une seule distinction considérable qui soit pareille en l'une et en l'autre. Elle consiste en ce que les objets, tant de l'amour que de la haine, peuvent être représentés à l'âme par les sens extérieurs ou bien par les intérieurs et par sa propre raison. Car nous appelons communément bien ou mal ce que nos sens intérieurs ou notre raison nous fait juger convenable ou contraire à notre nature mais nous appelons beau ou laid ce qui nous est ainsi représenté par nos sens extérieurs, principalement par celui de la vue, lequel seul est plus considéré que tous les autres, d'où naissent deux espèces d'amour, à savoir celle qu'on a pour les choses bonnes et celle qu'on a pour les belles, à laquelle on peut donner le nom d'agrément afin de ne la pas confondre avec l'autre, ni aussi avec le désir auquel on attribue souvent le nom d'amour et de la naissent en même façon deux espèces de haine l'une desquelles se rapporte aux choses mauvaises l'autre à celles qui sont laides et cette dernière peut être appelée horreur ou aversion afin de la distinguer mais ce qu'il y a ici de plus remarquable c'est que ces passions d'agrément et d'horreur ont coutume d'être plus violentes que les autres espèces d'amour ou de haine à cause que ce qui vient à l'âme, par les sens, la touche plus fort que ce qui lui est représenté par sa raison, et que, toutefois, elles ont ordinairement moins de vérité. En sorte que de toutes les passions, ce sont celles-ci qui trompent le plus, et dont on doit le plus soigneusement se garder. Article 86 La définition du désir. La passion du désir est une agitation de l'âme causée par les esprits, qui la disposent à vouloir pour l'avenir les choses qu'elle se représente être convenables. Ainsi, on ne désire pas seulement la présence du bien absent, mais aussi la conservation du présent, et de plus l'absence du mal, tant de celui qu'on a déjà que de celui qu'on croit pouvoir recevoir autant à venir. Article 87. Que c'est une passion qui n'a point de contraire. Je sais bien que communément dans l'école, on oppose la passion qui tend à la recherche du bien, laquelle seule on nomme désir, à celle qui tend à la fuite du mal laquelle on nomme aversion. Mais d'autant qu'il n'y a aucun bien dont la privation ne soit un mal, ni aucun mal considéré comme une chose positive, dont la privation ne soit un bien, et qu'en recherchant par exemple les richesses, on fuit nécessairement la pauvreté, en fuyant les maladies, on recherche la santé, et ainsi des autres, il me semble que c'est toujours un même mouvement qui porte à la recherche du bien, et ensemble à la fuite du mal qui lui est contraire. J'y remarque seulement cette différence que le désir qu'on a lorsqu'on tend vers quelque bien est accompagné d'amour et ensuite d'espérance et de joie, au lieu que le même désir lorsqu'on tente à s'éloigner du mal contraire à ce bien est accompagné de haine, de crainte et de tristesse, ce qui est cause qu'on le juge contraire à soi-même. Mais si on veut le considérer lorsqu'il se rapporte également en même temps à quelque bien pour le rechercher et au mal opposé pour l'éviter, on peut voir très évidemment que ce n'est qu'une seule passion qui fait l'un et l'autre. Article 88. Quelles sont ces diverses espèces Il y aurait plus de raisons de distinguer le désir en autant de diverses espèces qu'il y a de divers objets qu'on recherche. Car, par exemple, la curiosité, qui n'est autre chose qu'un désir de connaître, diffère beaucoup du désir de gloire, et celui-ci du désir de vengeance, et ainsi des autres. Mais il suffit ici de savoir qu'il y en a autant que d'espèces d'amour ou de haine, et que les plus considérables et les plus forts. Sont ceux qui naissent de l'agrément et de l'horreur. Article 89. Quel est le désir qui naît de l'horreur Or, encore que ce ne soit qu'un même désir qui tente à la recherche d'un bien et à la fuite du mal qui lui est contraire, ainsi qu'il a été dit, le désir qui naît de l'agrément ne laisse pas d'être fort différent de celui qui naît de l'horreur. Car cet agrément et cette horreur, qui véritablement sont contraires, ne sont pas le bien et le mal qui servent d'objet à ces désirs mais seulement deux émotions de l'homme qui la disposent à rechercher deux choses fort différentes, à savoir l'horreur est instituée de la nature pour représenter à l'homme une mort subite et inopinée, en sorte que, bien que ce ne soit quelquefois que l'attouchement d'un vermisseau, ou le bruit d'une feuille tremblante, ou son ombre qui fait avoir de l'horreur, on sent d'abord autant d'émotions que si un péril de mort très évident s'offrait au sens, ce qui fait subitement naître l'agitation qui porte l'homme à employer toutes ses forces pour éviter un mal si présent, et c'est cette espèce de désir qu'on appelle communément la fuite ou l'aversion. Seconde partie. Du nombre et de l'ordre des passions et l'explication des six primitives. Article 51. Quelles sont les premières causes des passions On connaît de ce qui a été dit ci-dessus que la première et la plus prochaine cause des passions de l'homme n'est autre que l'agitation dont les esprits meuvent la petite glande, qui est au milieu du cerveau. Mais cela ne suffit pas pour les pouvoir distinguer les unes des autres. Il est besoin de rechercher leurs sources et d'examiner leur première cause. Or, encore qu'elles puissent quelquefois être causées par l'action de l'âme qui se détermine à concevoir tel ou tels objets, et aussi par le seul tempérament du corps ou par les impressions qui se rencontrent fortuitement dans le cerveau, comme il arrive lorsqu'on se sent triste ou joyeux. Sans en pouvoir dire aucun sujet. Il paraît néanmoins, par ce qui a été dit, que tous les mêmes peuvent aussi être excités par les objets qui meuvent l'essence, et que ces objets sont leur cause la plus ordinaire et principales. D'où il suit que pour les trouver toutes, il suffit de considérer tous les effets de ces objets. Article 52. Quel est leur usage, et comment on peut les dénombrer Je remarque, outre cela, que les objets qui meuvent l'essence, N'excite pas en nous diverses passions à raison de toutes les diversités qui sont en eux mais seulement à raison des diverses façons qui nous peuvent nuire ou profiter, ou bien en général être importants, et que l'usage de toutes les passions consiste en cela seul, qu'elles disposent l'âme à vouloir les choses que la nature dicte nous être utiles, et à persister en cette volonté, comme aussi la même agitation des esprits, qui, à coutume de les causer, dispose le corps au mouvement. Qui servent à l'exécution de ces choses. C'est pourquoi, afin de les dénombrer, il faut seulement examiner par ordre en combien de diverses façons qui nous importent de nos sens peuvent être mues par leurs objets. Et je ferai ici le dénombrement de toutes les principales passions selon l'ordre qu'elles peuvent ainsi être trouvées. L'ordre et le dénombrement des passions. Article 53. L'admiration lorsque la première rencontre de quelque objet nous surprend, et que nous le jugeons être nouveau, ou fort différent de ce que nous connaissions auparavant, ou bien de ce que nous supposions qu'il devait être, cela fait que nous l'admirons et en sommes étonnés. Et parce que cela peut arriver avant que nous connaissions aucunement si cet objet nous est convenable, ou s'il ne l'est pas, il me semble que l'admiration est la première de toutes les passions. Et elle n'a point de contraire, à cause que si l'objet qui se présente n'a rien en soi qui nous surprenne, nous en sommes aucunement émus, et nous le considérons sans passion. Article cinquante-quatre L'estime et le mépris, la générosité ou l'orgueil, et l'humilité ou la bassesse. À l'admiration est jointe l'estime ou le mépris, selon que c'est la grandeur d'un objet ou sa petitesse que nous admirons, et nous pouvons ainsi nous estimer ou nous mépriser nous-mêmes. D'où viennent les passions? Et ensuite les habitudes de magnanimité ou d'orgueil et d'humilité ou de bassesse. Article 55. La vénération et le dédain. Mais quand nous estimons ou méprisons d'autres objets que nous considérons comme des causes libres capables de faire du bien ou du mal, de l'estime vient la vénération et du simple mépris le dédain. Article 56. L'amour et la haine. Or, toutes les passions précédentes peuvent être excités en nous sans que nous apercevions en aucune façon si l'objet qui les cause est bon ou mauvais. Mais lorsqu'une chose nous est représentée comme bonne à notre égard, c'est-à-dire comme nous étant convenable, cela nous fait avoir pour elle de l'amour, et lorsqu'elle nous est représentée comme mauvaise ou nuisible, cela nous excite à la haine. Article 57 Le désir De la même considération du bien et du mal naissent toutes les autres passions. Mais, afin de les mettre par ordre, je distingue les temps et, considérant qu'elles nous portent bien plus à regarder l'avenir que le présent ou le passé, je commence par le désir. Car non seulement lorsqu'on désire acquérir un bien qu'on n'a pas encore, ou bien éviter un mal qu'on juge pouvoir arriver, mais aussi lorsqu'on ne souhaite que la conservation d'un bien ou l'absence d'un mal, qui est tout ce à quoi se peut étendre cette passion, il est évident qu'elle regarde toujours l'avenir. Article 58 L'espérance, la crainte, la jalousie, la sécurité et le désespoir. Il suffit de penser que l'acquisition d'un bien ou la fuite d'un mal est possible pour être incité à la désirer. Mais quand on considère, outre cela, s'il y a beaucoup ou peu d'apparence qu'on obtienne ce qu'on désire, ce qui nous représente qu'il y en a beaucoup excite en nous l'espérance, et ce qui nous représente qu'il y en a peu excite la crainte, dont la jalousie est une espèce. Lorsque l'espérance est extrême, elle change de nature et se nomme sécurité ou assurance, comme au contraire l'extrême crainte devient désespoir. Article 59. L'irrésolution, le courage, la hardiesse, l'émulation, la lâcheté et l'épouvante. Et nous pouvons ainsi espérer et craindre, encore que l'événement de ce que nous attendons ne dépende aucunement de nous. Mais quand il nous est représenté comme en dépendant, il peut y avoir de la difficulté en l'élection des moyens ou en l'exécution. De la première vient l'irrésolution qui nous dispose à délibérer et prendre conseil. À la dernière s'oppose le courage ou la hardiesse, dont l'émulation est une espèce, et la lâcheté est contraire au courage, comme la peur ou l'épouvante à la hardiesse. Article 60. Le remords. Et si on est déterminé à quelque action avant que l'irrésolution fût ôtée, cela fait naître le remords de conscience, lequel ne regarde pas le temps à venir comme les passions précédentes, mais le présent ou le passé. Article 61. La joie et la tristesse. Et la considération du bien présent excite en nous de la joie, celle du mal de la tristesse, lorsque c'est un bien ou un mal qui nous est représenté comme nous appartenant. Article 62. La moquerie, l'envie, la pitié. Mais lorsqu'il nous est représenté comme appartenant à d'autres hommes, nous pouvons les en estimer dignes ou indignes. Et lorsque nous les en estimons dignes, cela n'excite point en nous d'autres passions que la joie, en tant que c'est pour nous quelque bien de voir que les choses arrivent comme elles doivent. Mais il y a seulement cette différence que la joie, qui vient du bien, est sérieuse, au lieu que celle qui vient du mal est accompagnée de riz et de moquerie. Mais si nous les estimons indignes, le bien excite l'envie. Et le mal, la pitié, qui sont des espèces de tristesse. Et il est à remarquer que les mêmes passions qui se rapportent au bien ou aux maux présents peuvent souvent aussi être rapportées à ceux qui sont à venir, en tant que l'opinion qu'on a qu'ils adviendront les représente comme présents. Article 63. La satisfaction de soi-même et le repentir. Nous pouvons aussi considérer la cause du bien ou du mal tant présent que passé. Et le bien qui a été fait par nous-mêmes nous donne une satisfaction intérieure, qui est la plus douce de toutes les passions, au lieu que le mal excite le repentir, qui est la plus amère. Article 64. La faveur et la reconnaissance. Mais le bien qui a été fait par d'autres est cause que nous avons pour eux de la faveur, encore que ce ne soit point à nous qu'il ait été fait. Et si c'est à nous, à la faveur nous joignons la reconnaissance. Article 65. L'indignation et la colère. Tout de même, le mal fait par d'autres, n'étant point rapporté à nous, fait seulement que nous avons pour eux de l'indignation, et lorsqu'il y est rapporté, il émeut aussi la colère. Article 66. La gloire et la honte. De plus, le bien qui est ou qui a été en nous, étant rapporté à l'opinion que les autres en peuvent avoir, excite en nous de la gloire, et le mal de la honte. Article 67. Le dégoût, le regret et l'allégresse. Et quelquefois, la durée du bien cause l'ennui ou le dégoût, au lieu que celle du mal diminue la tristesse. Enfin, du bien passé vient le regret, qui est une espèce de tristesse, et du mal passé vient l'allégresse, qui est une espèce de joie. Article 68 Pourquoi ce dénombrement des passions est différent de celui qui est communément reçu Voilà l'ordre qui me semble être le meilleur pour dénombrer les passions. En quoi je sais bien que je m'éloigne de l'opinion de tous ceux qui en ont ci-devant écrit, mais ce n'est pas sans grande raison, car ils tirent leur dénombrement de ce qu'ils distinguent en la partie sensitive de l'âme deux appétits, qu'ils nomment l'un concupiscible, l'autre irascible. Et parce que je ne connais en l'âme aucune distinction de parties, ainsi que l'est dit ci-dessus, cela me semble ne signifier autre chose sinon qu'elle a deux facultés, l'une de désirer, l'autre de se fâcher et à cause qu'elle a en même façon les facultés d'admirer, d'aimer, d'espérer, de craindre, et ainsi de recevoir en soi chacune des autres passions, ou de faire les actions auxquelles ces passions la poussent, je ne vois pas pourquoi ils ont voulu les rapporter toutes à la concupiscence ou à la colère. Outre que leur dénombrement ne comprend point toutes les principales passions, comme je crois en fait celui ci, je parle seulement des principales, à cause qu'on en pourrait encore distinguer plusieurs autres plus particulières, et leur nombre étant défini. Article 69. Qu'il n'y a que six passions primitives. Mais le nombre de celles qui sont simples et primitives n'est pas fort grand, car en faisant une revue sur toutes celles que j'ai dénombrées, on peut aisément remarquer qu'il n'y en a que six qui soient telles, à savoir l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse, et que toutes les autres sont composées de quelques-unes de ces six ou bien en sont des espèces. C'est pourquoi, afin que leur multitude n'embarrasse point les lecteurs, je traiterai ici séparément des six primitives, et par après je ferai voir en quelle façon toutes les autres en tirent leur origine. Article 70 de l'admiration, sa définition et sa cause L'admiration est une subite surprise de l'homme, qui fait qu'elle se porte à considérer avec attention les objets qui lui semblent rares et extraordinaires. Ainsi, elle est causée premièrement par l'impression qu'on a dans le cerveau, qui représente l'objet comme rare, et par conséquent digne d'être fort considéré. Puis ensuite par le mouvement des esprits, qui sont disposés par cette impression à tendre avec grande force vers l'endroit du cerveau où elle est pour lieu fortifiée et conservée. Comme aussi, ils sont disposés par elle à passer de là dans les muscles qui servent à retenir les organes d'essence en la même situation qu'ils sont. Afin qu'elle soit encore entretenue par eux, si c'est par eux qu'elle a été formée. Article 71. Qu'il n'arrive aucun changement dans le cœur ni dans le sang en cette passion. Et cette passion a cela de particulier qu'on ne remarque point qu'elle soit accompagnée d'aucun changement qui arrive dans le cœur et dans le sang, ainsi que les autres passions. Dont la raison est que, n'ayant pas le bien ni le mal pour objet, mais seulement la connaissance de la chose qu'on admire, elle n'a point de rapport avec le cœur et le sang, desquels dépend tout le bien du corps, mais seulement avec le cerveau, où sont les organes des sens qui servent à cette connaissance. Article 72. En quoi consiste la force de l'admiration Ce qui n'empêche pas qu'elle n'ait beaucoup de force à cause de la surprise, c'est-à-dire de l'arrivement subi et inopiné de l'impression, qui change le mouvement des esprits, laquelle surprise est propre et particulière à cette passion, en sorte que lorsqu'elle se rencontre en d'autres, comme elle a coutume de se rencontrer presque en toutes et de les augmenter, c'est que l'admiration est jointe avec elle. Et sa force dépend de deux choses, à savoir de la nouveauté, et de ce que le mouvement qu'elle cause a dès son commencement toute sa force car il est certain qu'un tel mouvement a plus d'effet que ceux qui, étant faibles d'abord, et ne croissant que peu à peu, peuvent aisément être détournés. Il est certain aussi que les objets d'essence qui sont nouveaux touchent le cerveau en certaines parties auxquelles il n'a point coutume d'être touché, et que ces parties étant plus tendres ou moins fermes que celles qu'une agitation fréquente a endurcies, cela augmente l'effet des mouvements qu'ils y excitent. C'est qu'on ne trouvera pas incroyable si l'on considère que c'est une pareille raison qui fait que les plantes de nos pieds, étant accoutumées à un attouchement assez rude par la pesanteur du corps qu'elles portent, nous ne sentons que fort peu cet attouchement quand nous marchons, au lieu qu'un autre beaucoup moindre et plus doux dont on les chatouille nous est presque insupportable, à cause seulement qu'il ne nous est pas ordinaire. Article 73. Ce que c'est que l'étonnement. Et cette surprise a tant de pouvoir pour faire que les esprits qui sont dans les cavités du cerveau y prennent leur cours vers le lieu où est l'impression de l'objet qu'on admire, qu'elle les y pousse quelquefois tous et fait qu'ils sont tellement occupés à conserver cette impression, qu'il n'y en aucun qui passe de là dans les muscles, ni même qui se détourne en aucune façon des premières traces qu'ils ont suivies dans le cerveau, ce qui fait que tout le corps demeure immobile comme une statue, et qu'on ne peut apercevoir de l'objet que la première face qui s'est présentée, ni par conséquent en acquérir une plus particulière connaissance. C'est cela qu'on appelle communément être étonné, et l'étonnement est un excès d'admiration qui ne peut jamais être que mauvais. Article 74. À quoi servent toutes les passions et à quoi elles nuisent Or, il est aisé à connaître de ce qui a été dit ci-dessus que l'utilité de toutes les passions ne consiste qu'en ce qu'elles fortifient et font durer en l'âme des pensées, lesquelles il est bon qu'elles conservent et qui pourraient facilement, sans cela, en être effacées. Comme aussi tout le mal qu'elles peuvent causer consiste en ce qu'elles fortifient et conservent ces pensées. Plus qu'il n'ait besoin, ou bien qu'elles en fortifient et conservent d'autres auxquelles il n'est pas besoin de s'arrêter. Article 75. À quoi sert particulièrement l'admiration Et on peut dire en particulier de l'admiration qu'elle est utile en ce qu'elle fait que nous apprenons et retenons en notre mémoire les choses que nous avons auparavant ignorées, car nous n'admirons que ce qui nous paraît rare et extraordinaire, et rien ne nous peut paraître tel que parce que nous l'avons ignoré ou même aussi parce qu'il est différent des choses que nous avons sues. Car c'est cette différence qui fait qu'on le nomme extraordinaire. Or, encore qu'une chose qui nous était inconnue se présente de nouveau à notre entendement ou à nos sens, nous ne la retenons point, pour cela, en notre mémoire, si ce n'est que l'idée que nous en avons soit fortifiée en notre cerveau par quelque passion, ou bien aussi par l'application de notre entendement que notre volonté détermine à une attention et réflexion particulière et les autres passions peuvent servir pour faire qu'on remarque les choses qui paraissent bonnes ou mauvaises mais nous n'avons que l'admiration pour celles qui paraissent seulement rares aussi voyons-nous que ceux qui n'ont aucune inclination naturelle à cette passion sont ordinairement fort ignorants article 108 en la haine quelquefois au contraire il venait quelque suc étranger vers le cœur qui n'était pas propre à entretenir la chaleur ou même qui la pouvaient éteindre, ce qui était cause que les esprits qui montaient du cœur au cerveau excitaient en l'âme la passion de la haine, et en même temps aussi ces esprits allaient du cerveau vers les nerfs, qui pouvaient pousser du sang de la rate et des petites veines du foie vers le cœur, pour empêcher ce suc nuisible d'y entrer, et de plus vers ceux qui pouvaient repousser ce même suc vers les intestins et vers l'estomac, ou aussi quelquefois obliger l'estomac à le vomir, d'où vient que ces mêmes mouvements ont coutume d'accompagner la passion de la haine. Et on peut voir à l'œil qu'il y a dans le foie quantité de veines ou conduits assez larges, par où le sucre des viandes peut passer de la veine porte en la veine cave, et de là au cœur, sans s'arrêter aucunement au foie, mais qu'il y en a aussi une infinité d'autres plus petites où il peut s'arrêter, et qui contiennent toujours du sang de réserve, ainsi que fait aussi la rate, lequel sang étant plus grossier que celui qui est dans les autres parties du corps peut mieux servir d'aliment au feu qui est dans le cœur quand l'estomac et les intestins manquent d'une fournir. Article 109 en la joie. Il est aussi quelquefois arrivé au commencement de notre vie que le sang contenu dans les veines était un aliment assez convenable pour entretenir la chaleur du cœur, qu'elle en contenait en telle quantité qu'il n'avait pas besoin de tirer aucune nourriture d'ailleurs ce qui a excité en l'âme la passion de la joie et a fait en même temps que les orifices du cœur se sont plus ouverts que de coutume et que les esprits coulant abondamment du cerveau non seulement dans les nerfs qui servent à ouvrir ces orifices mais aussi généralement en tous les autres qui poussent le sang des veines vers le cœur empêchent qu'il n'y en vienne de nouveau du foie de la rate des intestins et de l'estomac c'est pourquoi ces mêmes mouvements accompagnent la joie article 110 en la tristesse Quelquefois, au contraire, il est arrivé que le corps a eu faute de nourriture, et c'est ce qui doit avoir fait sentir à l'âme sa première tristesse, au moins celle qui n'a point été jointe à la haine. Cela même a fait aussi que les orifices du cœur se sont étrécis, à cause qu'ils ne reçoivent que peu de sang, et qu'une assez notable partie de ce sang est venue de la rate, à cause qu'elle est comme le dernier réservoir qui sert à en fournir au cœur lorsqu'il ne lui en vient pas assez d'ailleurs. C'est pourquoi les mouvements des esprits et des nerfs, qui servent à étrécir ainsi les orifices du cœur et à y conduire du sang, de la rate, accompagnent toujours la tristesse. Article 111. Au désir. Enfin, tous les premiers désirs que l'homme peut avoir eu, lorsqu'elle était nouvellement jointe au corps, ont été de recevoir les choses qui lui étaient convenables et de repousser celles qui lui étaient nuisibles. Et ça était par ces mêmes effets que les esprits ont commencé dès lors à mouvoir tous les muscles et tous les organes des sens en toutes les façons qu'ils les peuvent mouvoir ce qui est cause que maintenant lorsque l'âme désire quelque chose tout le corps devient plus agile et plus disposé à se mouvoir qu'il n'a coutume d'être sans cela et lorsque arrive d'ailleurs que le corps est ainsi disposé cela rend les désirs de l'âme plus forts et plus ardents article 112 quels sont les signes extérieurs de ces passions ce que j'ai mis ici fait assez entendre la cause des différences du pouls et de toutes les autres propriétés que j'ai ci dessus attribuées à ces passions, sans qu'il soit besoin que je m'arrête à les expliquer davantage. Mais parce que j'ai seulement remarqué en chacune ce qui s'y peut observer lorsqu'elle est seule, et qui sert à connaître les mouvements du sang et des esprits qui les produisent, il me reste encore à traiter de plusieurs signes extérieurs qui ont coutume de les accompagner, et qui se remarquent bien mieux lorsqu'elles sont mêlées plusieurs ensembles ainsi qu'elles ont coutume d'être, que lorsqu'elles sont séparées. Les principaux de ces signes sont les actions des yeux et du visage, les changements de couleur, les tremblements, la longueur, la pâmoison, les ris, les larmes, les gémissements et les soupirs. Article 113 Des actions des yeux et du visage. Il n'y a aucune passion que quelques particulières actions des yeux ne déclarent, et cela est si manifeste en quelques-unes que même les valets les plus stupides peuvent remarquer à l'œil de leur maître s'il est fâché contre eux ou s'il ne l'est pas. Mais encore qu'on s'aperçoive aisément ces actions des yeux et qu'on sache ce qu'elles signifient, il n'est pas aisé pour cela de les décrire, à cause que chacune est composée de plusieurs changements qui arrivent au mouvement et en la figure de l'œil, lesquels sont si particuliers et si petits que chacun d'eux ne peut être aperçu séparément, bien que ce qui résulte de leur conjonction soit fort aisé à remarquer on peut dire quasi le même des actions du visage qui accompagnent aussi les passions car bien qu'elles soient plus grandes que celles des yeux et toutefois mélésées de les distinguer et elles sont si peu différentes qu'il y a des hommes qui font presque la même mine lorsqu'ils pleurent que les autres lorsqu'ils rient il est vrai qu'il y en a quelques-unes qui sont assez remarquables comme sont les rides du front à la colère et certains mouvements du nez et des lèvres en l'indignation et en la moquerie tant du visage que des yeux peuvent être changées par l'homme lorsque, voulant cacher sa passion, elle en imagine fortement une contraire, en sorte qu'on s'en peut aussi bien servir à dissimuler ses passions qu'elle est déclarée. Article 114. Des changements de couleur. On ne peut pas si facilement s'empêcher de rougir ou de pâlir, lorsque quelque passion y dispose, parce que ces changements ne dépendent pas des nerfs et des muscles, ainsi que les précédents, et qu'ils viennent plus immédiatement du cœur. Lequel on peut nommer la source des passions, en tant qu'il prépare le sang et les esprits à les produire. Or, il est certain que la couleur du visage ne vient que du sang, lequel, coulant continuellement du cœur par les artères en toutes les veines, et de toutes les veines dans le cœur, colore plus ou moins le visage, selon qu'il remplit plus ou moins les petites veines qui vont vers sa superficie. Article 115 Comment la joie fait rougir Ainsi, la joie rend la couleur plus vive et plus vermeille. Parce qu'en ouvrant les écluses du cœur, elle fait que le sang coule plus vite en toutes les veines, et que, devenant plus chaud et plus subtil, il enfle médiocrement toutes les parties du visage, ce qui en rend l'air plus riant et plus gai. Article cent Comment la tristesse fait pâlir La tristesse, au contraire, en étrécissant les orifices du cœur, fait que le sang coule plus lentement dans les veines, et que, devenant plus froid et plus épais, il a besoin d'y occuper moins de place en sorte que, se retirant dans les plus larges, qui sont les plus proches du cœur, il quitte les plus éloignés, dont les plus apparentes étant celles du visage, cela le fait paraître pâle et décharné, principalement lorsque la tristesse est grande ou qu'elle survient promptement, comme on voit en épouvante, dont la surprise augmente l'action qui serre le cœur. Article 117. Comment on rougit souvent étant triste. Mais il arrive souvent qu'on ne pâlit point étant triste, et qu'au contraire on devient rouge. Ce qui doit être attribué aux autres passions qui se joignent à la tristesse, à savoir à l'amour ou au désir, et quelquefois aussi à la haine. Car ces passions échauffant ou agitant le sang, qui vient du foie, des intestins et des autres parties intérieures, le poussent vers le cœur, et de là, par la grande artère, vers les veines du visage, sans que la tristesse, qui sert de part et d'autre les orifices du cœur, le puisse empêcher, excepté lorsqu'elle est forte et excessive. Mais, encore qu'elle ne soit que médiocre, elle empêche aisément que le sang ainsi venu dans les veines du visage ne descende vers le cœur, pendant que l'amour, le désir ou la haine en y poussent d'autres des parties intérieures. C'est pourquoi ce sang étant arrêté autour de la face, il la rend rouge, et même plus rouge que pendant la joie, à cause que la couleur du sang paraît d'autant mieux qu'il coule moins vite, et aussi à cause qu'il s'en peut ainsi assembler davantage dans les veines de la face que lorsque les orifices du cœur sont plus ouverts. Ceci paraît principalement en la honte, Laquelle est composée de l'amour de soi-même et d'un désir pressant d'éviter l'infamie présente, ce qui fait venir le sang des parties intérieures vers le cœur, puis de là par les artères vers la face, et avec cela d'une médiocre tristesse qui empêche ce sang de retourner vers le cœur. Le même paraît aussi ordinairement lorsqu'on pleure, car lorsque je dirai ci-après, c'est l'amour rejoint à la tristesse qui cause la plupart des larmes, et le même paraît en la colère ou souvent en prompt désir de vengeance. Est mêlée avec l'amour, la haine et la tristesse. Article 118 Des tremblements. Les tremblements ont deux diverses causes. L'une est qu'il vient quelquefois trop peu d'esprit du cerveau dans les nerfs, et l'autre, lorsqu'il en vient quelquefois trop pour pouvoir fermer bien justement les petits passages des muscles, qui, suivant ce qui a été dit en l'article 11, doivent être fermés pour déterminer les mouvements des membres. La première cause paraît en la tristesse et en la peur, comme aussi lorsqu'on tremble de froid. Car ces passions peuvent, aussi bien que la froideur de l'air, tellement épaissir le sang qu'il ne fournit pas assez d'esprit au cerveau pour en envoyer dans les nerfs. L'autre cause paraît souvent en ceux qui désirent ardemment quelque chose, et en ceux qui sont fort émus de colère, comme aussi en ceux qui sont ivres. Car ces deux passions, aussi bien que le vin, font aller quelquefois tant d'esprit dans le cerveau qu'ils ne peuvent pas être règlement conduits de là dans les muscles. Article 119 de la langueur la langueur est une disposition à se relâcher et être sans mouvement, qui est sentie en tous les membres. Elle vient, ainsi que le tremblement, de ce qu'il ne va pas assez d'esprit dans les nerfs, mais d'une façon différente, car la cause du tremblement est qu'il n'y en a pas assez dans le cerveau pour obéir aux déterminations de la glande lorsqu'elle les pousse vers quelques muscles, au lieu que la langueur vient de ce que la glande ne les détermine point à aller vers aucun muscle plutôt que vers d'autres. Article 120 comment elle est causée par l'amour et par le désir. Et la passion qui cause le plus ordinairement cet effet est l'amour, jointe au désir d'une chose dont l'acquisition n'est pas imaginée comme possible pour le temps présent, car l'amour occupe tellement l'âme à considérer l'objet aimé, qu'elle emploie tous les esprits qui sont dans le cerveau à lui en représenter l'image, et arrête tous les mouvements de la glande qui ne servent point à cet effet. Et il faut remarquer, touchant le désir, que la propriété que je lui ai attribuée de rendre le corps plus mobile ne lui convient que lorsqu'on imagine l'objet désiré être tel qu'on peut, dès ce temps là, faire quelque chose qui sert à l'acquérir car si au contraire on imagine qu'il est impossible pour l'or de rien faire qui soit utile, toute l'agitation du désir demeure dans le cerveau, sans passer aucunement dans les nerfs, et étant entièrement employée à y fortifier l'idée de l'objet désiré, elle laisse le reste du corps languissant. Article 121. Qu'elle peut aussi être causée par d'autres passions. Il est vrai que la haine, la tristesse et même la joie peuvent causer aussi quelques langueurs, lorsqu'elles sont fort violentes, à cause qu'elles occupent entièrement l'âme, à considérer leur objet, principalement lorsque le désir d'une chose à l'acquisition de laquelle on ne peut rien contribuer au temps présent est joint avec elle. Mais parce qu'on s'arrête bien plus à considérer les objets conjoints à soi de volonté, que ceux qu'on en sépare et qu'aucun autre et que la langueur ne dépend point d'une surprise, mais a besoin de quelque temps pour être formée. Elle se rencontre bien plus en l'amour qu'en toutes les autres passions. Article 122 de la, la pâmoison La pamoison n'est pas fort éloignée de la mort, car on meurt lorsque le feu, qui est dans le cœur, s'éteint tout à fait, et on tombe seulement en pamoison lorsqu'il est étouffé, en telle sorte qu'il demeure encore quelques restes de chaleur, qui peuvent par après le rallumer. Or, il y a plusieurs indispositions du corps qui peuvent faire qu'on tombe ainsi en défaillance, mais entre les passions, il n'y a que l'extrême joie, qu'on remarque en avoir le pouvoir. Et la façon dont je crois qu'elle cause cet effet est couvrant extraordinairement les orifices du cœur. Le sang des veines y entre si à coup et en si grande quantité qu'il y peut être rafié par la chaleur assez promptement, pour lever les petites peaux qui ferment les entrées de ses veines, au moyen de quoi il étouffe le feu. Lequel il a coutume d'entretenir lorsqu'il n'entre dans le cœur que par mesure. Article 123. Pourquoi on ne me point de tristesse Il semble qu'une grande tristesse qui survient inopinément doit tellement serrer les orifices du cœur qu'elle en peut aussi éteindre le feu. Mais néanmoins, on n'observe point que cela arrive, ou s'il arrive, c'est très rarement. Dont je crois que la raison est qu'il ne peut guère y avoir si peu de sang dans le cœur qu'il ne suffise pour entretenir la chaleur. Lorsque ses orifices sont presque fermés. Article 195 de l'indignation. L'indignation est une espèce de haine ou d'aversion qu'on a naturellement contre ceux qui font quelque mal, de quelle nature qu'ils soient. Et elle est souvent mêlée avec l'envie ou avec la pitié. Mais elle a néanmoins un objet tout différent, car on n'est indigné que contre ceux qui font du bien ou du mal aux personnes qui n'en sont pas dignes. Mais on porte envie à ceux qui reçoivent ce bien, et on a pitié de ceux qui reçoivent ce mal. Il est vrai que c'est, en quelque façon, faire du mal que de posséder un bien, dont on n'est pas digne. Ce qui peut être la cause pourquoi Aristote et ses suivants, supposant que l'envie est toujours un vice, ont appelé du nom d'indignation celle qui n'est pas vicieuse. Article 196. Pourquoi elle est quelquefois jointe à la pitié, et quelquefois à la moquerie? c'est aussi en quelque façon recevoir du mal que d'en faire d'où vient que quelques uns joignent à leur indignation la pitié, et quelques autres la moquerie, selon qu'ils sont portés de bonne ou de mauvaise volonté envers ceux auxquels ils doivent commettre des fautes. Et c'est ainsi que le riz de Démocrit et les pleurs d'Héraclite ont pu procéder de même cause. Article cent quatre-vingt-dix-sept qu'elle est souvent accompagnée d'admiration et n'est pas incompatible avec la joie. L'indignation est souvent aussi accompagnée d'admiration, car nous avons coutume de supposer que toutes choses seront faites en la façon que nous jugeons qu'elles doivent être, c'est-à-dire en la façon que nous estimons bonne. C'est pourquoi, lorsqu'il en arrive autrement, cela nous surprend, et nous l'admirons. Elle n'est pas incompatible aussi avec la joie, bien qu'elle soit plus ordinairement jointe à la tristesse. Car lorsque le mal dont nous sommes indignés ne nous peut nuire, et que nous considérons que nous n'en voudrions pas faire de semblable, cela nous donne quelques plaisirs. Et c'est peut-être l'une des causes du riz qui accompagne quelquefois cette passion. Article 198 de son usage. Où reste l'indignation se remarque bien plus en ceux qui veulent paraître vertueux qu'en ceux qui le sont véritablement, car bien que ceux qui aiment la vertu ne puissent voir sans quelque aversion les vices des autres, ils ne se passionnent que contre les plus grands et extraordinaires. C'est être difficile et chagrin que d'avoir beaucoup d'indignation pour des choses de peu d'importance, c'est être injuste que d'en avoir pour celles qui ne sont point blâmables, et c'est être impertinent et absurde de ne restreindre pas cette passion aux actions des hommes, et de l'étendre jusqu'aux œuvres de Dieu ou de la nature, ainsi que font ceux qui, n'étant jamais contents de leur condition ni de leur fortune, osent trouver hardir en la conduite du monde et au secret de la Providence. Article 199 de la colère. La colère est aussi une espèce de haine ou d'aversion que nous avons contre ceux qui ont fait quelque mal ou qui ont tâché de nuire, non pas indifféremment à qui que ce soit, mais particulièrement à nous. Ainsi, elle contient tout le même que l'indignation, et cela de plus qu'elle est fondée sur une action qui nous touche et dont nous avons désir de nous venger, car ce désir l'accompagne presque toujours et elle est directement opposée à la reconnaissance, comme l'indignation à la faveur. Mais elle est incomparablement plus violente que ces trois autres passions, à cause que le désir de repousser les choses nuisibles et de se venger est le plus pressant de tous. C'est le désir joint à l'amour qu'on a pour soi même qui fournit à la colère toute l'agitation du sang, que le courage et la hardiesse peuvent causer. Et la haine fait que c'est principalement le sang bilieux qui vient de la rate et des petites veines du foie qui reçoit cette agitation et entre dans le cœur, où à cause de son abondance et de la nature de la bile dont il est mêlé, il excite une chaleur plus âpre et plus ardente que n'est celle qui peut y être excitée par l'amour ou par la joie. Article 200. Pourquoi ceux qu'elle fait rougir sont moins à craindre que ceux qu'elle fait pâlir Et les signes extérieurs de cette passion sont différents. Selon les divers tempéraments des personnes et la diversité des autres passions qui la composent ou se joignent à elle, ainsi on en voit qui pâlissent ou qui tremblent lorsqu'ils se mettent en colère, et on en voit d'autres qui rougissent ou même qui pleurent, et on juge ordinairement que la colère de ceux qui pâlissent est plus à craindre que n'est la colère de ceux qui rougissent, dont la raison est que lorsque l'on ne veut ou qu'on ne veut pas se venger autrement que de mine et de paroles. On emploie toute sa chaleur et toute sa force dès le commencement qu'on est ému, ce qui est cause qu'on devient rouge. Outre que, quelquefois, le regret et la pitié qu'on a de soi-même, parce qu'on ne peut se venger d'autre façon, est cause qu'on pleure. Et, au contraire, ceux qui se réservent et se déterminent à l'une plus grande vengeance deviennent tristes, de ce qu'ils pensent y être obligés, par l'action qui les met en colère, et ils ont aussi quelquefois de la crainte des maux qui peuvent suivre de la résolution qu'ils ont prise. Ce qui les rend d'abord pâles, froids et tremblants. Mais quand ils viennent après à exécuter leur vengeance, ils se réchauffent d'autant plus qu'ils ont été plus froids au commencement. Ainsi qu'on voit que les fièvres qui commencent par le froid ont coutume d'être les plus fortes. Article 201 Qu'il y a deux sortes de colères, et que ceux qui ont le plus de bonté sont les plus sujets à la première. Ceci nous avertit qu'on peut distinguer deux espèces de colères. L'une qui est fort prompte et se manifeste fort à l'extérieur, mais néanmoins qui a peu d'effet et peut facilement être apaisée. L'autre qui ne paraît pas tant à l'abord, mais qui ronge davantage le cœur et qui a des effets plus dangereux. Ceux qui ont beaucoup de bonté et beaucoup d'amour sont les plus sujets à la première, car elle ne vient pas d'une profonde haine, mais d'une prompte aversion qui les surprend à cause qu'étant portés à imaginer que toutes choses doivent aller en la façon qu'ils jugent être la meilleure, sitôt qu'il en arrive autrement, ils l'admirent et s'en offensent, souvent même sans que la chose les touche en leur particulier, à cause qu'ayant beaucoup d'affection, ils s'intéressent pour ceux qu'ils aiment en même façon que pour eux mêmes. Ainsi, ce qui ne serait qu'un sujet d'indignation pour un autre est pour eux un sujet de colère, et parce que l'inclination qu'ils ont à aimer fait qu'ils ont beaucoup de chaleur, et beaucoup de sang dans le cœur, l'aversion qui les surprend ne peut y pousser si peu de bile que cela ne cause d'abord une grande émotion dans ce sang. Mais cette émotion ne dure guère, à cause que la force de la surprise ne continue pas, et que sitôt qu'ils s'aperçoivent que le sujet qui les a fâchés ne les devait pas tant émouvoir, ils s'en repentent. Article 202 Que ce sont les âmes faibles et basses qui se laissent le plus emporter à l'autre. L'autre espèce de colère en laquelle prédominent la haine et la tristesse n'est pas si apparente d'abord, sinon peut-être en ce qu'elle fait pâlir le visage mais sa force est augmentée peu à peu par l'agitation qu'un ardent désir de se venger excite dans le sang, lequel, étant mêlé avec la bile qui est poussée vers le cœur de la partie inférieure du foie et de la rate, y excite une chaleur fort âpre et fort piquante. Et comme ce sont les hommes les plus généreuses qui ont le plus de reconnaissance, ainsi, ce sont celles qui ont le plus d'orgueil, et qui sont les plus basses et les plus infimes, qui se laissent le plus emporter à cette espèce de colère. Car les injures paraissent d'autant plus grandes que l'orgueil fait qu'on s'estime davantage, et aussi d'autant qu'on estime davantage les biens qu'elles ôtent, lesquels on estime d'autant plus qu'on a l'âme plus faible et plus basse, à cause qu'ils dépendent d'autrui. Article 203 Que la générosité sert de remède contre ces excès. Où reste, encore que cette patience soit utile pour nous donner de la vigueur à repousser les injures, il n'y en a toutefois aucune dont on doit éviter les excès avec plus de soin, parce que, troublant le jugement, ils font souvent commettre des fautes dont on a par après du repentir, et même que quelquefois ils empêchent qu'on ne repousse si bien ces injures qu'on pourrait faire si on avait moins d'émotions. Mais comme il n'y a rien qui la rende plus excessive que l'orgueil, ainsi, je crois que la générosité est le meilleur remède qu'on puisse trouver contre ses excès, parce que, faisant qu'on estime fort peu tous les biens qui peuvent être ôtés, et qu'au contraire on estime beaucoup la liberté et l'empire absolu sur soi-même, qu'on cesse d'avoir lorsqu'on peut être offensé par quelqu'un, elle fait qu'on n'a que du mépris ou tout au plus de l'indignation pour les injures dont les autres ont coutume de s'offenser. Article 204 de la gloire. Ce que j'appelle ici du nom de gloire est une espèce de joie fondée sur l'amour qu'on a pour soi-même et qui vient de l'opinion ou de l'espérance qu'on a d'être loué par quelques autres. Ainsi, elle est différente de la satisfaction intérieure qui vient de l'opinion qu'on a d'avoir fait quelque bonne action, car on est quelquefois loué pour des choses qu'on ne croit point être bonnes et blâmé pour celles qu'on croit être meilleures. Mais elles sont l'une et l'autre des espèces de l'estime qu'on fait de soi-même, aussi bien que des espèces de joie. Car c'est un sujet pour s'estimer que de voir qu'on est estimé par les autres. Article 205 De la honte. La honte, au contraire, est une espèce de tristesse fondée aussi sur l'amour de soi-même et qui vient de l'opinion ou de la crainte qu'on a d'être blâmé. Elle est, outre cela, une espèce de modestie ou d'humilité et défiance de soi-même. Car lorsqu'on s'estime si fort qu'on ne se peut imaginer d'être méprisé par personne, on ne peut pas aisément être honteux. Article 206 De l'usage de ces deux passions. Or, la gloire et la honte ont même usage en ce qu'elles nous incitent à la vertu, l'une par l'espérance, l'autre par la crainte. Il est seulement besoin d'instruire son jugement touchant ce qui est véritablement digne de blâme ou de louange, afin de n'être pas honteux de bien faire, et ne tirer point de vanité de ses vices, ainsi qu'il arrive à plusieurs. Mais il n'est pas bon de se dépouiller entièrement de ses passions. Ainsi que faisaient autrefois les cyniques. Car, encore que le peuple juge très mal toutefois, à cause que nous ne pouvons vivre sans lui, et qu'il nous importe d'en être estimés, nous devons souvent suivre ses opinions plutôt que les nôtres, touchant l'extérieur de nos actions. Article 207 De l'impudence. L'impudence ou l'effronterie, qui est un mépris de honte, et souvent aussi de gloire, n'est pas une passion, parce qu'il n'y a en nous aucun mouvement particulier des esprits qui l'excite. Mais c'est un vice opposé à la honte, et aussi à la gloire, en tant que l'une et l'autre sont bonnes. Ainsi que l'ingratitude est opposée à la reconnaissance, et la cruauté à la pitié. Et la principale cause de l'effronterie vient de ce qu'on a reçu plusieurs fois de grands affronts. Car il n'y a personne qui ne s'imagine, étant jeune, que la louange est un bien, et l'infamie un mal, beaucoup plus important à la vie qu'on ne trouve par l'expérience qu'ils sont. Lorsqu'ayant reçu quelques affronts signalés, on se voit entièrement privé d'honneur et méprisé par un chacun. C'est pourquoi ceux-là deviennent effrontés, qui, ne mesurant le bien et le mal que par les commodités du corps, voient qu'ils en jouissent après ces affronts tout aussi bien qu'auparavant, ou même quelquefois beaucoup mieux, à cause qu'ils sont déchargés de plusieurs contraintes auxquelles l'honneur les obligeait, et que, si la perte des biens est jointe à leur disgrâce, il se trouve des personnes charitables qui leur en donnent. Article 208 du dégoût. Le dégoût est une espèce de tristesse qui vient de la même cause dont la joie est venue auparavant. Car nous sommes tellement composés que la plupart des choses dont nous jouissons ne sont bonnes à notre égard que pour un temps, et deviennent par après incommodes. Ce qui paraît principalement au boire et au manger, qui ne sont utiles que pendant qu'on a de l'appétit, et qui sont nuisibles lorsqu'on n'en a plus, et parce qu'elles cessent alors d'être agréables au goût, on a nommé cette passion le dégoût. Article 209 du regret. Le regret est aussi une espèce de tristesse, laquelle a une particulière amertume en ce qu'elle est toujours jointe à quelque désespoir et à la mémoire du plaisir que nous a donné la jouissance. Car nous ne regrettons jamais que les biens dont nous avons joui et qui sont tellement perdus que nous n'avons aucune espérance de les recouvrer autant et en la façon que nous les regrettons. Article 210 de l'allégresse. Enfin, ce que je nomme allégresse est une espèce de joie, en laquelle il y a cela de particulier que sa douceur est augmentée par la souvenance des maux qu'on a souffert, et desquels on se sent allégé en même façon que si on se sentait déchargé de quelque pesant fardeau qu'on eût longtemps porté sur ses épaules. Et je ne vois rien de fort remarquable en ces trois passions. Aussi ne les ai je mis ici que pour suivre l'ordre du dénombrement que j'ai fait ci dessus. Mais il me semble que ce dénombrement a été utile, pour faire voir que nous n'en admettions aucune qui fût digne de quelque particulière considération article 211, un remède général contre les passions et maintenant que nous les connaissons toutes nous avons beaucoup moins de sujets de les craindre que nous l'avions auparavant car nous voyons qu'elles sont toutes bonnes de leur nature et que nous n'avons rien à éviter que leurs mauvais usages ou leurs excès contre lesquels les remèdes que j'ai expliqués Pourra suffire si chacun avait assez de soins de les pratiquer. Mais parce que j'ai mis entre ces remèdes la préméditation et l'industrie par laquelle on peut corriger les défauts de son naturel, en s'exerçant à séparer en soi les mouvements du sang et des esprits avec les pensées auxquelles ils ont coutume d'être joints, j'avoue qu'il y a peu de personnes qui se soient assez préparées en cette façon contre toutes sortes de rencontres, et que ces mouvements excités dans le sang par les objets des passions, puis veut d'abord si promptement des seules impressions qui se font dans le cerveau et de la disposition des organes, encore que l'homme n'y contribue en aucune façon, qu'il n'y a point de sagesse humaine qui soit capable de leur résister, lorsqu'on n'y est pas assez préparé. Ainsi plusieurs ne sauraient s'abstenir de rire, étant chatouillés, encore qu'ils n'y prennent point de plaisir. Car l'impression de la joie et de la surprise, qui les a fait rire autrefois pour le même sujet, étant réveillée en leur fantaisie, fait que leur poumon est subitement enflé malgré eux par le sang que le cœur lui envoie ainsi ceux qui sont fort portés de leur naturel aux émotions de la joie ou de la pitié ou de la peur ou de la colère ne peuvent s'empêcher de pâmer ou de pleurer ou de trembler ou d'avoir le sang tout ému en même façon que s'ils avaient la fièvre lorsque leur fantaisie est fortement touchée par l'objet de quelqu'une de ces passions mais ce qu'on peut toujours faire en telle occasion et que je pense pouvoir mettre ici comme le remède le plus général et le plus aisé à pratiquer contre tous les excès des passions, c'est que lorsqu'on se sent le sang ainsi ému, on doit être averti et se souvenir que tout ce qui se présente à l'imagination tend à tromper l'âme, et à lui faire paraître les raisons qui servent à persuader l'objet de sa passion beaucoup plus fortes qu'elles ne sont, et celles qui servent à la dissuader beaucoup plus faibles. Et lorsque la passion ne persuade que des choses dont l'exécution souffre quelques délais, il faut s'abstenir d'emporter sur l'heure aucun jugement et se divertir par d'autres pensées jusqu'à ce que le temps et le repos aient entièrement apaisé l'émotion qui est dans le sang. Et enfin, lorsqu'elle incite à des actions touchant lesquelles il est nécessaire qu'on prenne résolution sur le champ, il faut que la volonté se porte principalement à considérer et à suivre les raisons qui sont contraires à celles que la passion représente, encore qu'elles paraissent moins fortes, comme lorsqu'on est inopinément attaqué par quelque ennemi. L'occasion ne permet pas qu'on n'emploie aucun temps à délibérer. Mais ce qu'il me semble que ceux qui sont accoutumés à faire aux réflexions sur leurs actions peuvent toujours, c'est que lorsqu'ils se sentiront saisis de la peur, ils tâcheront à détourner leurs pensées de la considération du danger, en se représentant les raisons pour lesquelles il y a beaucoup plus de sûreté et plus d'honneur, en la résistance qu'en la fuite. Et au contraire, Lorsqu'ils sentiront que le désir de vengeance et la colère les incitent à courir inconsidérément vers ceux qui les attaquent, ils se souviendront de penser que c'est imprudence de se perdre quand on peut sans déshonneur se sauver, et que si la partie est fort inégale, il vaut mieux faire une honnête retraite ou prendre quartier que s'exposer brutalement à une mort certaine. Article 212. Que c'est d'elle seule que dépend tout le bien et le mal de cette vie. Au reste, l'homme peut avoir ses plaisirs à part. Mais pour ceux qui lui sont communs, avec le corps, ils dépendent entièrement des passions, en sorte que les hommes qu'elles peuvent le plus émouvoir, sont capables de goûter le plus de douceur en cette vie. Il est vrai qu'ils y peuvent aussi trouver le plus d'amertume lorsqu'ils ne les savent pas bien employer, et que la fortune leur est contraire. Mais la sagesse est principalement utile en ce point, qu'elle enseigne à s'en rendre tellement maître et à les ménager avec tant d'adresse que les mots qu'elle cause sont fort supportables, et même qu'on tire de la joie de tous. Article 13 Que cette action des objets de dehors peut conduire diversement les esprits dans les muscles. Et j'ai expliqué en la dioptrique comment tous les objets de la vue ne se communiquent à nous que par cela seul qu'ils meuvent localement, par l'entremise des corps transparents qui sont entre eux et nous, les petits filets des nerfs optiques qui sont au fond de nos yeux, et ensuite les endroits du cerveau d'où viennent ces nerfs. Qu'ils les meuvent, dis-je, en autant de diverses façons qu'ils nous font voir de diversité dans les choses, et ce que ne sont pas immédiatement les mouvements qui se font en l'œil, mais ceux qui se font dans le cerveau, qui représentent à l'âme ces objets. À l'exemple de quoi il est aisé de concevoir que les sons, les odeurs, les saveurs, la chaleur, la douleur, la faim, la soif, et généralement tous les objets, de nos autres sens extérieurs que de nos appétits intérieurs, excite aussi quelques mouvements en nos nerfs, qui passent par le moyen jusqu'au cerveau. Et outre que ces divers mouvements du cerveau font avoir à notre homme divers sentiments, ils peuvent aussi faire sans elles que les esprits prennent leur cours vers certains muscles plutôt que vers d'autres, et ainsi qu'ils meuvent nos membres. Ce que je prouverai seulement ici par un exemple. Si quelqu'un avance promptement sa main contre nos yeux, comme pour nous frapper, quoique nous sachions qu'il est notre ami, qu'il ne le fait cela que par jeu, et qu'il se gardera bien de nous faire aucun mal, nous avons toutefois de la peine à nous empêcher de les fermer, ce qui montre que ce n'est point par l'entremise de notre âme qu'il se ferme, puisque c'est contre notre volonté, laquelle est sa seule ou du moins sa principale action, mais que c'est à cause que la machine de notre corps est tellement composée que le mouvement de cette main vers nos yeux Excite un autre mouvement en notre cerveau, qui conduit les esprits animaux dans les muscles qui font abaisser les paupières. Article 14. Que la diversité qui est entre les esprits peut aussi diversifier leur cours. L'autre cause qui sert à conduire diversement les esprits animaux dans les muscles est l'inégale agitation de ces esprits, et la diversité de leurs parties. Car lorsque quelques-unes de leurs parties sont plus grosses et plus agitées que les autres, elles passent plus avant en ligne droite dans les cavités et dans les pores du cerveau, et par ce moyen sont conduites en d'autres muscles qu'elles ne le seraient si elles avaient moins de force. Article 15. Quelles sont les causes de leur diversité Et cette inégalité peut procéder des diverses matières dont ils sont composés, comme on voit en ceux qui ont bu beaucoup de vin, que les vapeurs de ce vin, entrant promptement dans le sang, montent du cœur au cerveau. Où elles se convertissent en esprits, qui, étant plus forts et abondants que ceux qui y sont d'ordinaire, sont capables de mouvoir le corps en plusieurs étranges façons. Cette inégalité des esprits peut aussi procéder des diverses dispositions du cœur, du foie, de l'estomac, de la rate et de toutes les autres parties qui contribuent à leur production. Car il faut principalement ici remarquer certains petits nerfs, insérés dans la base du cœur, qui servent à élargir et étrécir les entrées de ces concavités au moyen de quoi le sang, si dilatant plus ou moins fort, produit des esprits diversement disposés. Il faut aussi remarquer que, bien que le sang qui entre dans le cœur y vienne de tous les autres endroits du corps, il arrive souvent néanmoins qu'il y ait davantage poussé de quelques parties que des autres, à cause que les nerfs et les muscles qui répondent à ces parties là le pressent ou l'agitent davantage et que, selon la diversité des parties desquelles il vient le plus, il se dilate diversement dans le cœur, et ensuite produit des esprits qui ont des qualités différentes. Ainsi, par exemple, celui qui vient de la partie inférieure du foie, où est le fiel, se dilate d'autre façon dans le cœur que celui qui vient de la rate, et celui-ci autrement que celui qui vient des veines, des bras ou des jambes, et enfin celui-ci tout autrement que le suc des viandes, lorsqu'étant nouvellement sorti de l'estomac et des boyaux, il passe promptement par le foie jusqu'au cœur. Article 16. Comment tous les membres peuvent être remus par les objets des sens et par les esprits sans aide de l'âme Enfin, il faut remarquer que la machine de notre corps est tellement composée que tous les changements qui arrivent au mouvement des esprits peuvent faire qu'ils ouvrent quelques ports du cerveau plus que les autres, et réciproquement que lorsque quelqu'un de ces ports est en soi peu plus ou moins ouvert que de coutume, par l'action des nerfs qui servent au sens, cela change quelque chose au mouvement des esprits et fait qu'ils sont conduits dans les muscles qui servent à mouvoir le corps en la façon qu'il est ordinairement mu à l'occasion d'une telle action. En sorte que tous les mouvements que nous faisons sans que notre volonté y contribue, comme il arrive souvent que nous respirons, que nous marchons, que nous mangeons, et enfin que nous faisons toutes les actions qui nous sont communes avec les bêtes, ne dépendent que de la conformation de nos membres et du cours que les esprits, excités par la chaleur du cœur, suivent naturellement dans le cerveau, dans les nerfs et dans les muscles, en même façon que le mouvement d'une montre est produit par la seule force de son ressort et la figure de ses roues. Article 17. Quelles sont les fonctions de l'âme? Après avoir ainsi considéré toutes les fonctions qui appartiennent au corps seul, il est aisé de connaître qu'il ne reste rien en nous que nous devions attribuer à notre homme, sinon nous penser, lesquelles sont principalement de deux genres, à savoir, les unes sont les actions de l'homme, les autres sont ses passions. Celles que je nomme ses actions sont toutes nos volontés, à cause que nous expérimentons qu'elles viennent directement de notre âme, et semblent ne dépendre que d'elles. Comme au contraire, on peut généralement nommer ses passions toutes les sortes de perceptions ou connaissances qui se trouvent en nous, à cause que souvent ce n'est pas notre âme qui les fait telles qu'elles sont, et que toujours elle les reçoit des choses qui sont représentées par elles. Article 18 De la volonté de rechef, nos volontés sont de deux sortes, car les unes sont des actions de l'âme qui se terminent en l'âme même, comme lorsque nous voulons aimer Dieu ou généralement appliquer notre pensée à quelque objet qui n'est point matériel. Les autres sont des actions qui se terminent en notre corps, comme lorsque de cela seul que nous avons la volonté de nous promener. Il suit que nos jambes se remuent et que nous marchons. Article 19. De la perception. Nos perceptions sont aussi de deux sortes, et les unes ont l'âme pour cause, les autres le corps. Celles qui ont l'âme pour cause sont les perceptions de nos volontés et de toutes les imaginations ou autres pensées qui en dépendent. Car il est certain que nous ne saurions vouloir aucune chose que nous n'apercevions par le même moyen que nous la voulons. Et bien qu'au regard de notre âme ce soit une action de vouloir quelque chose, on peut dire que c'est aussi en elle une passion d'apercevoir qu'elle veut. Toutefois, à cause de cette perception et cette volonté, ne sont en effet qu'une même chose, la dénomination se fait toujours par ce qui est le plus noble, et ainsi on n'a point coutume de la nommer une passion, mais seulement une action. Article 20. Des imaginations et autres pensées qui sont formées par l'âme. Lorsque notre âme s'applique à imaginer quelque chose qui n'est point, comme à se représenter un palais enchanté ou une chimère, et aussi lorsqu'elle s'applique à considérer quelque chose qui est seulement intelligible et non point imaginable, par exemple à considérer sa propre nature, les perceptions qu'elle a de ces choses dépendent principalement de la volonté qui fait qu'elle les aperçoit. C'est pourquoi on a coutume de les considérer comme des actions plutôt que comme des passions. Article 21 Des imaginations qui n'ont pour cause que le corps. Entre les perceptions qui sont causées par le corps, la plupart dépendent des nerfs, mais il y en a aussi quelques-unes qui n'en dépendent point, et qu'on nomme des imaginations, ainsi que celles dont je viens de parler, desquelles néanmoins elles diffèrent en ce que nos trois volontés ne s'emploient point à les former, ce qui fait qu'elles ne peuvent être mises au nombre des actions de l'âme. Et elles ne procèdent que de ce que les esprits étant diversement agités, et rencontrant les traces de diverses impressions qui ont précédé dans le cerveau, ils y prennent leur cours fortuitement. Par certains ports plutôt que par d'autres. Telles sont les illusions de nos songes et aussi les rêveries que nous avons souvent étant éveillées, lorsque notre pensée erre nonchalamment sans s'appliquer à rien de soi-même. Or, encore que quelques-unes de ces imaginations soient des passions de l'âme, en prenant ce mot en sa plus propre et plus particulière signification, et qu'elles puissent être tout ainsi nommées, si on le prend en une signification plus générale, toutefois, parce qu'elles n'ont pas une cause si notable et si déterminée que les perceptions que l'homme reçoit par l'entremise des nerfs et qu'elles semblent n'en être que l'ombre et la peinture avant que nous les puissions bien distinguer il faut considérer la différence qui est entre ces autres article 22 de la différence qui est entre les autres perceptions toutes les perceptions que je n'ai pas encore expliquées viennent à l'âme par l'entremise des nerfs et il y a entre elles cette différence que nous les rapportons les unes aux objets de le dehors qui frappent nos sens, les autres à notre corps ou à quelques-unes de ses parties, et enfin les autres à notre âme. Article 23 Des perceptions que nous rapportons aux objets qui sont hors de nous. Celles que nous rapportons à des choses qui sont hors de nous, à savoir aux objets de nos sens, sont causées, au moins lorsque notre opinion n'est point fausse, par ces objets. Qui, excitant quelques mouvements dans les organes des sens extérieurs, en excitent aussi par l'entremise des nerfs dans le cerveau, lesquels font que l'homme les sent. Ainsi, lorsque nous voyons la lumière d'un flambeau et que nous oyons le son d'une cloche, ce son et cette lumière sont deux diverses actions, qui, par cela seul qu'elles excitent deux divers mouvements en quelques-uns de nos nerfs, et par leurs moyens dans le cerveau, donnent à l'homme deux sentiments différents, lesquels nous rapportons tellement au sujet que nous supposons être leur cause, que nous pensons voir le flambeau même et ouïr la cloche, non pas sentir seulement des mouvements qui viennent d'eux. Article 24. Des perceptions que nous rapportons à notre corps. Les perceptions que nous rapportons à notre corps ou à quelqu'une de ses parties sont celles que nous avons de la faim, de la soif et de nos autres appétits naturels, à quoi on peut joindre la douleur, la chaleur et les autres affections que nous sentons comme dans nos membres. Et non, pas comme dans les objets qui sont hors de nous. Ainsi, nous pouvons sentir en même temps et par l'entremise des mêmes nerfs la froideur de notre main et la chaleur de la flamme dont elle s'approche, ou bien au contraire la chaleur de la main et le froid de l'air auquel elle est exposée, sans qu'il y ait aucune différence entre les actions qui nous font sentir le chaud ou le froid qui est en notre main, et celles qui nous font sentir celui qui est hors de nous, sinon que l'une de ces actions survenant à l'autre. Nous jugeons que la première est déjà en nous, et que celle qui survient n'y est pas encore, mais en l'objet qui la cause. Article 25. Des perceptions que nous rapportons à notre homme. Les perceptions qu'on rapporte seulement à l'homme sont celles dont on sent les effets comme en l'homme même, et desquelles on ne connaît communément aucune cause prochaine à laquelle on les puisse rapporter. Tels sont les sentiments de joie, de colère et autres semblables qui sont quelquefois excités en nous par les objets qui meuvent nos nerfs, et quelquefois aussi par d'autres causes. Or, encore que toutes nos perceptions, tant celles qu'on rapporte aux objets qui sont hors de nous, que celles qu'on rapporte aux diverses affections de notre corps, soient véritablement des passions au regard de notre homme lorsqu'on prend ce mot en sa plus générale signification. Toutefois, on a coutume de le restreindre à signifier seulement celles qui se rapportent à l'âme même, et ce ne sont que ces dernières que j'ai entrepris ici d'expliquer sous le nom de passion de l'âme ». Article 26 Que les imaginations qui ne dépendent que du mouvement fortuit des esprits peuvent être d'aussi véritables passions que les perceptions qui dépendent des nerfs. Il reste ici à remarquer que toutes les mêmes choses que l'homme aperçoit par l'entremise des nerfs lui peuvent aussi être représentées par le cours fortuit des esprits. Sans qu'il y ait autre différence, sinon que les impressions qui viennent dans le cerveau, par les nerfs, ont coutume d'être plus vives et plus expresses que celles que les esprits y excitent. Ce qui m'a fait dire, en l'article 21, que celles-ci sont comme l'ombre ou la peinture des autres. Il faut aussi remarquer qu'il arrive quelquefois que cette peinture est si semblable à la chose qu'elle représente qu'on peut y être trompé touchant les perceptions qui se rapportent aux objets qui sont hors de nous ou bien celles qui se rapportent à quelque partie de notre corps, mais qu'on ne peut pas l'être en même façon, touchant les passions, d'autant qu'elles sont si proches et si intérieures à notre âme, qu'il est impossible qu'elles les sentent sans qu'elles soient véritablement telles qu'elles les sentent. Ainsi souvent, lorsqu'on dort, et même, quelquefois étant éveillé, on imagine si fortement certaines choses qu'on pense les voir devant soi, ou les sentir en son corps, bien qu'elles n'y soient aucunement, mais encore qu'on soit endormi et qu'on rêve, on ne saurait se sentir triste ou ému de quelque autre passion, qu'il ne soit très vrai que l'homme a en soi cette passion. Article 27 La définition des passions de l'homme. Après avoir considéré en quoi les passions de l'homme diffèrent de toutes ses autres pensées, il me semble qu'on peut généralement les définir des perceptions ou des sentiments, ou des émotions de l'homme, qu'on rapporte particulièrement à elles, et qui sont causées entretenu et fortifié par quelques mouvements des esprits article 28 explication de la première partie de cette définition on peut les nommer des perceptions lorsqu'on se sert généralement de ce mot pour signifier toutes les pensées qui ne sont point des actions de l'homme ou des volontés mais non point lorsque l'on s'en sert que pour signifier des connaissances évidentes car l'expérience fait voir que ceux qui sont les plus agités par leurs passions ne sont pas ceux qui les connaissent le mieux et quelles sont du nombre des perceptions que l'étroite alliance qui est entre l'âme et le corps rend confuses et obscures. On les peut aussi nommer des sentiments, à cause qu'elles sont reçues en l'âme en même façon que les objets des sens extérieurs, et ne sont pas autrement connus par elles. Mais on peut encore mieux les nommer des émotions de l'homme, non seulement à cause que ce nom peut être attribué à tous les changements qui arrivent en elle, c'est-à-dire à toutes les diverses pensées qui lui viennent. Mais particulièrement parce que, de toutes les sortes de pensées qu'elle peut avoir, il n'y en a point d'autre qui l'agite et l'ébranle si fort que font ses passions. Les passions de l'homme. Livre audio gratuit, œuvre philosophique de René Descartes. Lecture par Amilagrobis Grobis pour le compte de audiocité.net sous licence creative.com Article 124 du riz. Le riz consiste en ce que le sang qui vient de la cavité droite du cœur. Par la veine artérieuse, enflant les poumons subitement et à diverses reprises, fait que l'air qu'ils contiennent est contraint d'en sortir avec impétuosité par le sifflet, où ils forment une voix inarticulée et éclatante. Et tant les poumons en s'enflant que cet air en sortant poussent tous les muscles du diaphragme, de la poitrine et de la gorge, au moyen de quoi ils font mouvoir ceux du visage qui ont quelques connexions avec eux. Et ce n'est que cette action du visage, avec cette voix inarticulée et éclatante, qu'on nomme le riz. Article 125 Pourquoi il n'accompagne point les plus grandes joies Or, encore qu'il semble que le riz soit un des principaux signes de la joie, elle ne peut toutefois le causer, que lorsqu'elle est seulement médiocre, et qu'il y a quelque admiration ou quelque haine mêlée avec elle. Car on trouve par expérience que lorsqu'on est extraordinairement joyeux, Jamais le sujet de cette joie ne fait qu'on éclate de rire, et même on ne peut pas si aisément y être invité par quelque autre cause que lorsqu'on est triste, dont la raison est que, dans les grandes joies, le poumon est toujours si plein de sang qu'il ne peut être davantage enflé par reprise. Article 126. Quelles sont ses principales causes Et je ne puis remarquer que deux causes qui fassent ainsi subitement enfler le poumon. La première est la surprise de l'admiration laquelle, étant jointe à la joie, peut ouvrir si promptement les orifices du cœur, qu'une grande abondance de sang, entrant tout à coup en son côté droit par la veine cave, s'y raréfie, et passant de là par la veine artérieuse, enfle le poumon. L'autre est le mélange de quelques liqueurs qui augmentent la raréfaction du sang, et je n'en trouve point de propre à cela que la plus coulante partie de celui qui vient de la rate. Laquelle partie du sang étant poussée vers le cœur par quelques légère émotion de haine, aidée par la surprise, de l'admiration, et s'y mêlant avec le sang qui vient des autres endroits du corps, lequel la joie y fait entrer en abondance, peut faire que ce sang s'y dilate beaucoup plus qu'à l'ordinaire, en même façon qu'on voit quantité d'autres liqueurs s'enfler tout à coup et sur le feu, lorsqu'on jette un peu de vinaigre dans le vaisseau où elles sont. Car la plus coulante partie du sang qui vient de la rate est de nature semblable au vinaigre. L'expérience aussi nous fait voir qu'en toutes les rencontres qui peuvent produire ce riz éclatant, qui vient du poumon, il y a toujours quelques petits sujets de haine, ou du moins d'admiration. Et ceux dont la rate n'est pas bien saine sont sujets à être non seulement plus tristes, mais aussi par intervalles plus gais, et plus disposés à rire que les autres. D'autant que la rate envoie deux sortes de sang vers le cœur, l'un fort épais et grossier, qui cause la tristesse, l'autre fort fluide et subtil, qui cause la joie. Et souvent, après avoir beaucoup ri, on se sent naturellement enclin à la tristesse, parce que la plus fluide partie du sang de la rate étant épuisée, l'autre plus grossière la suit vers le cœur. Article 127. Quelle est sa cause en l'indignation Pour le riz qui accompagne quelquefois l'indignation, il est ordinairement artificiel et fin. Mais lorsqu'il est naturel, il semble venir de la joie. Qu'on a de ce qu'on voit ne pouvoir être offensé par le mal, dont on est indigné, et avec cela, de ce qu'on se trouve surpris par la nouveauté ou par la rencontre inopinée de ce mal, de façon que la joie, la haine et l'admiration y contribuent. Toutefois, je veux croire qu'il peut aussi être produit, sans aucune joie, par le seul mouvement de l'aversion, qui envoie du sang de la rate vers le cœur, où il est raréfié, et poussé de là dans le poumon, lequel il enfle facilement lorsqu'il le rencontre presque vide. Et généralement tout ce qui peut enfler subitement le poumon en cette façon, cause l'action extérieure du riz, excepté lorsque la tristesse la change en celle des gémissements et des cris qui accompagnent les larmes. À propos de quoi Vivès écrit de soi même que lorsqu'il avait été longtemps sans manger, les premiers morceaux qu'il mettait en sa bouche l'obligeaient à rire, ce qui pouvait venir de ce que son poumon, vide de sang par faute de nourriture, était promptement enflé par le premier suc qui passait de son estomac vers le cœur, et que la seule imagination de manger y pouvait conduire avant même que celui des viandes qu'il mangeait y fût parvenu. Article 128 de l'origine des larmes. Comme le riz n'est jamais causé par les plus grandes joies, ainsi les larmes ne viennent point d'une extrême tristesse, mais seulement de celle qui est médiocre et accompagnée ou suivie de quelques sentiments d'amour ou aussi de joie. Et pour bien entendre leur origine, il faut remarquer que bien qu'ils sortent continuellement quantité de vapeur de toutes les parties de notre corps, il n'y en a toutefois aucune dont il en sorte tant que des yeux à cause de la grandeur des nerfs optiques et de la multitude de petites artères par où elles y viennent, et que comme la sueur n'est composée que de les vapeurs qui sortant des autres parties se convertissent en eau sur leur superficie, ainsi les larmes se font des vapeurs qui sortent des yeux. Article 129 de la façon que les vapeurs se changent en eau. Or, comme j'ai écrit dans les météores, en expliquant en quelle façon les vapeurs de l'air se convertissent en pluie, que cela vient de ce qu'elles sont moins agitées ou plus abondantes qu'à l'ordinaire, ainsi je crois que lorsque celles qui sortent du corps sont beaucoup moins agitées que de coutume, encore qu'elles ne soient pas si abondantes, elles ne laissent pas de se convertir en eau, ce qui cause les sueurs froides, qui viennent quelquefois de faiblesse quand on est malade. Et je crois que lorsqu'elles sont beaucoup plus abondantes, pourvu qu'elles ne soient pas avec cela plus agitées, elles se convertissent aussi en eau, ce qui est cause de la sueur qui vient quand on fait quelques exercices. Mais alors les yeux ne suent point, parce que, pendant les exercices du corps, la plupart des esprits, allant dans les muscles qui servent à le mouvoir, il n'en va moins par le nerf optique que vers les yeux. Et ce n'est qu'une même matière qui compose le sang pendant qu'elle est dans les veines ou dans les artères, et les esprits, lorsqu'elle est dans le cerveau, dans les nerfs ou dans les muscles, et les vapeurs lorsqu'elles en sortent en forme l'air, et enfin la sueur ou les larmes lorsqu'elles s'épaississent en eau sur la superficie du corps ou des yeux. Article 130 Comment ce qui fait de la douleur à l'œil l'excite à pleurer Et je ne puis remarquer que deux causes qui fassent que les vapeurs qui sortent des yeux se changent en larmes. La première est quand la figure des pores, par où elles passent, est changée par quelque accident que ce puisse être. Car cela, retardant le mouvement de ces vapeurs et changeant leur ordre, peut faire qu'elles se convertissent en eau. Ainsi, il ne faut qu'un fétu qui tombe dans l'œil pour en tirer quelques larmes, à cause qu'en y excitant de la douleur, il change la disposition de ses pores, en sorte que, quelques-uns devenant plus étroits, les petites parties des vapeurs y passent moins vite, et qu'au lieu qu'elles en sortaient auparavant également distantes les unes des autres, et ainsi demeuraient séparées, elles viennent à se rencontrer, à cause que l'ordre de ces pores est troublé au moyen de quoi elles se joignent, et ainsi se convertissent en larmes. Article 131 Comment on pleure de tristesse L'autre cause est la tristesse suivie d'amour ou de joie, ou généralement de quelque cause qui fait que le cœur pousse beaucoup de sang par les artères. La tristesse y est requise, à cause que, refroidissant tout le sang, elle étrécit les pores des yeux, mais parce qu'à mesure qu'elle les étrécit, elle diminue aussi la quantité des vapeurs auxquelles ils doivent donner passage. Cela ne suffit pas pour produire des larmes si la quantité de ces vapeurs n'est à même temps augmentée par quelque autre cause. Et il n'y a rien qui l'augmente davantage que le sang qui est envoyé vers le cœur en la passion de l'amour. Aussi voyons-nous que ceux qui sont tristes ne jettent pas continuellement des larmes, mais seulement par intervalles, lorsqu'ils font quelques nouvelles réflexions sur les objets qu'ils affectionnent. Article 132 des gémissements qui accompagnent les larmes. Et alors, les poumons sont aussi quelquefois enflés tout à coup par l'abondance du sang qui entre dedans et qui en l'air qu'ils contenaient, lequel, sortant par le sifflet, engendre les gémissements et les cris qui ont coutume d'accompagner les larmes. Et ces cris sont ordinairement plus aigus que ceux qui accompagnent le riz, bien qu'ils soient produits quasi en même façon. Dont la raison est que les nerfs qui servent à élargir ou étrécir les organes de la voix, pour la rendre plus grosse ou plus aiguë, étant joints avec ceux qui ouvrent les orifices du cœur pendant la joie et les étrécissent pendant la tristesse, ils font que ces organes s'élargissent ou s'étrécissent en même temps. Article 133 Pourquoi les enfants et les vieillards pleurent aisément Les enfants et les vieillards sont plus enclins à pleurer que ceux du Moyen-Âge, mais c'est pour diverses raisons. Les vieillards pleurent souvent d'affection et de joie, car ces deux passions jointes ensemble envoient beaucoup de sang à leur cœur et de là beaucoup de vapeur à leurs yeux, et l'agitation de ces vapeurs est tellement retardée par la froideur de leur naturel qu'elles se convertissent aisément en larmes, encore qu'aucune tristesse n'ait précédée. Que si quelques vieillards pleurent aussi fort aisément de la fâcherie, ce n'est pas tant le tempérament de leur corps que celui de leur esprit qui les y dispose. Et cela n'arrive qu'à ceux qui sont si faibles qu'ils se laissent entièrement surmonter par de petits sujets de douleur, de crainte ou de pitié. Le même arrive aux enfants, lesquels ne pleurent guère de joie, mais bien plus de tristesse, même quand elle n'est point accompagnée d'amour, car elles ont toujours assez de sang pour produire beaucoup de vapeur, le mouvement desquels étant retardé par la tristesse, elles se convertissent en larmes. Article 134 Pourquoi quelques enfants pâlissent au lieu de pleurer? Toutefois, il y en a quelques-uns qui pâlissent au lieu de pleurer quand ils sont fâchés, ce qui peut témoigner en eux un jugement et un courage extraordinaire, à savoir Lorsque cela vient de ce qu'ils considèrent la grandeur du mal, et se préparent à une forte résistance, en même façon que ceux qui sont plus âgés. Mais c'est plus ordinairement une marque de mauvais naturel, à savoir lorsque cela vient de ce qu'ils sont enclins à la haine ou à la peur, car ce sont des passions qui diminuent la matière des larmes, et on voit au contraire que ceux qui pleurent fort aisément sont enclins à l'amour et à la pitié. Article 135 Des soupirs. La cause des soupirs est fort différente de celle des larmes, encore qu'il présuppose comme elle la tristesse, car au lieu qu'on est incité à pleurer quand les poumons sont pleins de sang, on est incité à soupirer quand ils sont presque vides, et que quelque imagination d'espérance ou de joie ouvre l'orifice de l'artère veineuse que la tristesse avait étrécie, parce qu'alors le peu de sang qui reste dans les poumons, tombant tout à coup dans le côté gauche du cœur par cette artère veineuse, et étant poussé par le désir de parvenir à cette joie, Lequel agite en même temps tous les muscles du diaphragme et de la poitrine, l'air est poussé promptement par la bouche dans les poumons, pour y remplir la place que laisse ce sang. Et c'est cela qu'on nomme soupirer. Article 136. D'où viennent les effets des passions qui sont particulières à certains hommes Au reste, afin de suppléer ici en peu de mots à tout ce qui pourrait y être ajouté, touchant les divers effets ou les diverses causes des passions, je me contenterai de répéter le principe sur lequel tout ce que j'en ai écrit est appuyé, à savoir qu'il y a telle liaison entre notre âme et notre corps que lorsque nous avons une fois joint quelque action corporelle avec quelque pensée, l'une des deux ne se présente point à nous par après que l'autre ne s'y présente aussi, et que ce ne sont pas toujours les mêmes actions conjointes aux mêmes pensées. Car cela suffit, pour rendre raison de tout ce qu'un chacun peut remarquer de particulier en soi ou en d'autres touchant cette matière qui n'a point été ici expliquée. Et pour exemple, il est aisé de penser que les étranges aversions de quelques-uns qui les empêchent de souffrir l'odeur des roses ou la présence d'un chat ou choses semblables ne viennent que de ce que, au commencement de leur vie, ils ont été fort enfoncés par quelques pareils objets, ou bien qu'ils ont compati au sentiment de leur mère qui en a été offensée étant grosse. Car il est certain qu'il y a du rapport entre tous les mouvements de la mère et ceux de l'enfant qui est en son ventre, en sorte que ce qui est contraire à l'un nuit à l'autre, et l'odeur des roses peut avoir causé un grand mal de tête à un enfant lorsqu'il était encore au berceau, ou bien un chat le peut avoir fort épouvanté, sans que personne n'y ait pris garde, ni qu'il en ait eu après aucune mémoire, bien que l'idée de l'aversion qu'il avait alors pour ces roses ou pour ce chat demeure imprimée en son cerveau jusqu'à la fin de sa vie. Article 137. De l'usage des cinq passions ici expliquées en tant qu'elles se rapportent au corps. Après avoir donné les définitions de l'amour, de la haine, du désir, de la joie, de la tristesse, et traité de tous les mouvements corporels qui les causent ou les accompagnent, nous avons plus ici à considérer que leur usage. Touchant quoi il est à remarquer que selon l'institution de la nature, elles se rapportent tout au corps, et ne l'ont donné à l'âme qu'en tant qu'elle est jointe avec lui. En sorte que leur usage naturel est d'inciter l'âme à consentir et contribuer aux actions qui peuvent servir à conserver le corps ou à le rendre en quelque façon plus parfait. Et en ce sens, la tristesse et la joie sont les deux premières qui sont employées, car l'âme n'est immédiatement avertie des choses qui nuisent au corps que par le sentiment qu'elle a de la douleur, lequel produit en elle premièrement la passion de la tristesse puis ensuite la haine de ce qui cause cette douleur, et en troisième lieu le désir de s'en délivrer. Comme aussi l'homme n'est immédiatement averti des choses utiles au corps que par quelque sorte de chatouillement, qui, excitant en elle de la joie, fait ensuite naître l'amour de ce qu'on croit en être la cause, et enfin le désir d'acquérir ce qui peut faire qu'on continue en cette joie, ou bien qu'on jouisse encore, après d'une semblable, ce qui fait voir qu'elles sont toutes cinq très utiles au regard du corps, et même que la tristesse est en quelque façon première et plus nécessaire que la joie, et la haine que l'amour, à cause qu'il importe davantage de repousser les choses qui nuisent et peuvent détruire que d'acquérir celles qui ajoutent quelque perfection sans laquelle on peut subsister. Article 170 de l'irrésolution. L'irrésolution est aussi une espèce de crainte qui, retenant l'homme comme en balance entre plusieurs actions qu'elle peut faire, et cause qu'elle n'en exécute aucune. Et ainsi qu'elle a du temps pour choisir avant que de se déterminer. En quoi véritablement elle a quelque usage qui est bon. Mais lorsqu'elle dure plus qu'il ne faut, et qu'elle fait employer à délibérer le temps qui est requis pour agir, elle est fort mauvaise. Or je dis qu'elle est une espèce de crainte, nonobstant qu'il puisse arriver, lorsqu'on a le choix de plusieurs choses, dont la bonté paraît fort égale, qu'on demeure incertain et irrésolu, sans qu'on ait pour cela aucune crainte. Car cette sorte d'irrésolution, Vient seulement du sujet qui se présente, et non point d'aucune émotion des esprits. C'est pourquoi elle n'est pas une passion. Si ce n'est que la crainte qu'on a de manquer en son choix en augmente l'incertitude. Mais cette crainte est si ordinaire et si forte en quelques-uns, que souvent encore qu'il n'est point à choisir et qu'il ne voit qu'une seule chose à prendre ou à laisser, elle les retient, et fait qu'il s'arrête inutilement à en chercher d'autres. Et alors c'est un excès d'irrésolution qui vient d'un trop grand désir de bien faire. Et d'une faiblesse de l'entendement, lequel, n'ayant point de notions claires et distinctes, en a seulement beaucoup de confuses. C'est pourquoi le remède contre cet excès est de s'accoutumer à former des jugements certains et déterminés, touchant toutes les choses qui se présentent, et à croire qu'on s'acquitte toujours de son devoir lorsqu'on fait ce qu'on juge être le meilleur, ou encore que peut-être on juge très mal. Article 171 Du courage et de la hardiesse. Le courage, lorsque c'est une passion et non point une habitude, ou inclination naturelle, est une certaine chaleur ou agitation qui dispose l'homme à se porter puissamment à l'exécution des choses qu'elle veut faire, de quelque nature qu'elle soit. Et la hardiesse est une espèce de courage qui dispose l'homme à l'exécution des choses qui sont les plus dangereuses. Article 172 de l'émulation Et l'émulation en est aussi une espèce, mais en un autre sens car on peut considérer le courage comme un genre qui se divise en autant d'espèces qu'il y a d'objets différents, et en autant d'autres qu'il y a de causes. En la première façon, la hardiesse en est une espèce, en l'autre l'émulation. Et cette dernière n'est autre chose qu'une chaleur qui dispose l'homme à entreprendre des choses qu'elle espère lui pouvoir réussir, parce qu'elle les voit réussir à d'autres. Et ainsi c'est une espèce de courage duquel la cause externe est l'exemple. Je dis la cause externe. Parce qu'il doit, outre cela, y en avoir toujours une interne, qui consiste en ce qu'on a le corps tellement disposé que le désir et l'espérance ont plus de force à faire aller quantité de sang vers le cœur que la crainte ou le désespoir à l'empêcher. Article 173 Comment la hardiesse dépend de l'espérance Car il est à remarquer que bien que l'objet de la hardiesse soit la difficulté, de laquelle suit ordinairement la crainte ou même le désespoir, en sorte que c'est dans les affaires les plus dangereuses et les plus désespérées qu'on emploie le plus de hardiesse et de courage. Il est besoin néanmoins qu'on espère, ou même qu'on soit assuré, que la fin qu'on se propose réussira, pour s'opposer avec vigueur aux difficultés qu'on rencontre. Mais cette fin est différente de cet objet, car on ne saurait être assuré et désespéré d'une même chose en même temps. Ainsi, quand les décis se jetaient au travers des ennemis et couraient à une mort certaine, L'objet de leur hardiesse était la difficulté de conserver leur vie pendant cette action, pour laquelle difficulté ils n'avaient que du désespoir, car ils étaient certains de mourir. Mais leur fin était d'animer leurs soldats par leur exemple, et de leur faire gagner la victoire, pour laquelle ils avaient de l'espérance. Ou bien aussi leur fin était d'avoir de la gloire après leur mort, de laquelle ils étaient assurés. Article 174. De la lâcheté et de la peur. La lâcheté est directement opposée au courage, et c'est une langueur ou froideur qui empêche l'homme de se porter à l'exécution des choses qu'elle ferait si elle était exempte de cette passion. Et la peur ou l'épouvante, qui est contraire à la hardiesse, n'est pas seulement une froideur, mais aussi un trouble et un étonnement de l'homme, qui lui ôte le pouvoir de résister aux maux qu'elle pense être proches. Article 175 de l'usage de la lâcheté. Or, encore que je ne puisse me persuader que la nature ait donné aux hommes quelque passion qui soit toujours vicieuse, et n'ait aucun usage bon et louable, j'ai toutefois bien de la peine à deviner à quoi ces deux peuvent servir. Il me semble seulement que la lâcheté a quelque usage lorsqu'elle fait qu'on est exempt des peines, qu'on pourrait être incité à prendre par des raisons vraisemblables, si d'autres raisons plus certaines, qui les ont fait juger inutiles, n'avaient excité cette passion. Car, outre qu'elle exempte l'âme de ses peines, elle sert aussi alors pour le corps, en ce que, retardant le mouvement des esprits, elle empêche qu'on ne dissipe ses forces. Mais ordinairement, elle est très nuisible, à cause qu'elle détourne la volonté des actions utiles. Et parce qu'elle ne vient que de ce qu'on n'a pas assez d'espérance ou de désir, il ne faut qu'augmenter en soi ces deux passions pour la corriger. Article 176 de l'usage de la peur. Pour ce qui est de la peur ou de l'épouvante, je ne vois point qu'elle puisse jamais être louable ni utile. Aussi n'est ce pas une passion particulière, c'est seulement un excès de lâcheté, d'étonnement et de crainte, lequel est toujours vicieux, ainsi que la hardiesse est un excès de courage qui est toujours bon, pourvu que la fin qu'on se propose soit bonne. Et parce que la principale cause de la peur est la surprise, il n'y a rien de meilleur pour s'en exempter que d'user de préméditation, et de se préparer à tous les événements. La crainte desquelles la peut causer. Article 177 du remords. Le remords de conscience est une espèce de tristesse qui vient du doute qu'on a qu'une chose qu'on fait ou qu'on a faite n'est pas bonne. Et il présuppose nécessairement le doute. Car si on était entièrement assuré que ce qu'on fait fut mauvais, on s'abstiendrait de le faire, d'autant que la volonté ne se porte qu'aux choses qui ont quelque apparence de bonté. Et si on était assuré que ce qu'on a déjà fait fut mauvais, on en aurait dû repentir, non pas seulement du remords. Or, l'usage de cette passion est de faire qu'on examine si la chose dont on doute est bonne ou non, et d'empêcher qu'on ne la fasse une autre fois pendant qu'on n'est pas assuré qu'elle soit bonne. Mais parce qu'elle présuppose le mal, le meilleur serait qu'on n'eût jamais sujet de la sentir, et on peut la prévenir par les mêmes moyens par lesquels on se peut exempter de l'irrésolution. Article 178 de la moquerie. La dérision ou moquerie est une espèce de joie mêlée de haine, qui vient de ce qu'on aperçoit quelque petit mal, en une personne qu'on pense en être digne. On a de la haine pour ce mal, on a de la joie de le voir, en celui qui en est digne, et lorsque cela survient inopinément, la surprise de l'admiration est cause qu'on s'éclate de rire, suivant ce qui a été dit ci dessus de la nature du riz. Mais ce mal doit être petit, car s'il est grand, on ne peut croire que celui qui l'a en soit digne, si ce n'est qu'on soit de fort mauvais naturelle ou qu'on lui porte beaucoup de haine. Article 179. Pourquoi les plus imparfaits ont coutume d'être les plus moqueurs Et on voit que ceux qui ont des défauts fort apparents, par exemple qui sont boiteux, borgnes, bossus, ou qui ont reçu quelque affront en public, sont particulièrement enclins à la moquerie, car désirant voir tous les autres aussi disgraciés qu'eux, ils sont bien aises des mots qui leur arrivent, et ils les en estiment dignes. Article 180 de l'usage de la raillerie. Pour ce qui est de la raillerie modeste, qui reprend utilement les vices en les faisant paraître ridicules, sans toutefois qu'on en rit soi-même, ni qu'on témoigne aucune haine contre les personnes, elle n'est pas une passion, mais une qualité d'honnête homme, laquelle fait paraître la gaieté de son humeur et la tranquillité de son âme, qui sont des marques de vertu, et souvent aussi l'adresse de son esprit, en ce qu'il sait donner une apparence agréable aux choses dont il se moque. Article 181 De l'usage du riz en la raillerie. Et il n'est pas déshonnête de rire lorsqu'on entend les railleries d'un autre. Même elles peuvent être telles que ce serait être chagrin de n'en rire pas. Mais lorsqu'on raille soi-même, il est plus séant de s'en abstenir, afin de ne sembler pas être surpris par les choses qu'on dit, ni admirer l'adresse qu'on les a de les inventer. Et cela fait qu'elles surprennent d'autant plus qu'elles les voient. Article 182 De l'envie. Ce qu'on nomme communément envie est un vice qui consiste en une perversité de nature qui fait que certaines gens se fâchent du bien qu'ils voient arriver aux autres hommes. Mais je me sers ici de ce mot pour signifier une passion qui n'est pas toujours vicieuse. L'envie, donc, en tant qu'elle est une passion, est une espèce de tristesse mêlée de haine qui vient de ce qu'on voit arriver du bien à ceux qu'on pense en être indigne, ce qu'on ne peut penser avec raison que des biens de fortune. Car pour ceux de l'âme ou même du corps, en tant qu'on les a de naissance, c'est assez en être digne que de les avoir reçus de Dieu, avant qu'on fût capable de commettre aucun mal. Article 183. Comment elle peut être juste ou injuste Mais lorsque la fortune envoie des biens à quelqu'un dont il est véritablement indigne, et que l'envie n'est excitée en nous que parce qu'aimant naturellement la justice, nous sommes fâchés qu'elle ne soit pas observée en la distribution de ses biens, c'est un zèle qui peut être excusable, principalement lorsque le bien qu'on envie à d'autres est de telle nature qu'il se peut convertir en mal entre leurs mains, comme si c'est quelque charge ou office en l'exercice duquel ils se puissent mal comporter. Même lorsqu'on désire pour soi le même bien, et qu'on est empêché de l'avoir, parce que d'autres qui en sont moins dignes le possèdent, cela rend cette passion plus violente, et elle ne laisse pas d'être excusable, pourvu que la haine qu'elle contient se rapporte seulement à la mauvaise distribution du bien qu'on en vit, et non point aux personnes qui le possèdent ou le distribuent. Mais il y en a peu qui soient si justes et si généreux que de n'avoir point de haine pour ceux qui les préviennent en l'acquisition d'un bien qui n'est pas communicable à plusieurs, et qu'ils avaient désiré pour eux-mêmes, bien que ceux qui l'ont acquis en soient autant ou plus dignes. Et ce qui est ordinairement le plus envié, c'est la gloire, car encore que celle des autres n'empêche pas que nous n'y puissions aspirer, elle en rend toutefois l'accès plus difficile et en renchérit le prix. Article 184. D'où vient que les envieux sont sujets à avoir le teint plombé Au reste, il n'y a aucun vice qui nuise tant à la félicité des hommes que celui de l'envie, car outre que ceux qui en sont entachés s'affligent eux-mêmes, ils troublent aussi de tout leur pouvoir le plaisir des autres. Et ils ont ordinairement le teint plombé, c'est-à-dire pâle, mêlé de jaune et de noir, et comme de sang meurtri. D'où vient que l'envie est nommée l'ivore en latin. Ce qui s'accorde fort bien avec ce qui a été dit ci-dessus des mouvements du sang, en la tristesse et en la haine. Car celle-ci fait que la bile jaune, qui vient de la partie inférieure du foie, et la noire, qui vient de la rate, se répandent du cœur par les artères en toutes les veines. Et celle-là fait que le sang des veines a moins de chaleur et coule plus lentement qu'à l'ordinaire. Ce qui suffit pour rendre la couleur livide. Mais parce que la bile, tant jaune que noire, peut être aussi envoyée dans les veines par plusieurs autres causes, et que l'envie ne les y pousse pas, en assez grande quantité pour changer la couleur du teint, si ce n'est qu'elle soit fort grande et de longue durée, on ne doit pas penser que tous ceux en qui on voit cette couleur y soient enclins. Article 185 de la pitié La pitié est une espèce de tristesse mêlée d'amour ou de bonne volonté envers ceux à qui nous voyons souffrir quelque mal. Duquel nous les estimons indignes. Ainsi, elle est contraire à l'envie à raison de son objet, et à la moquerie à cause qu'elle le considère d'autre façon. Article 186 Qui sont les plus pitoyables Ceux qui se sentent fort faibles et fort sujets aux adversités de la fortune semblent être plus enclins à cette passion que les autres, à cause qu'ils se représentent le mal d'autrui comme leur pouvant arriver, et ainsi ils sont émus à la pitié plutôt par l'amour. Qu'ils se portent à eux-mêmes, que par celle qu'ils ont pour les autres. Article 187. Comment les plus généreux sont touchés de cette passion Mais néanmoins, ceux qui sont les plus généreux et qui ont l'esprit le plus fort, en sorte qu'ils ne craignent aucun mal pour eux et se tiennent au-delà du pouvoir de la fortune, ne sont pas exemples de compassion lorsqu'ils voient l'infirmité des autres hommes et qu'ils entendent leurs plaintes. Car c'est une partie de la générosité que d'avoir de la bonne volonté pour un chacun. Mais la tristesse de cette pitié n'est pas amère, et comme celle que causent les actions funestes qu'on voit représentées sur un théâtre, elle est plus dans l'extérieur et dans le sens que dans l'intérieur de l'âme, laquelle a cependant la satisfaction de penser qu'elle fait ce qui est de son devoir, en ce qu'elle compatit avec des affligés. Et il y a en cela de la différence, qu'au lieu que le vulgaire a compassion de ceux qui se plaignent, à cause qu'ils pensent que les maux qu'ils s'ouvrent sont fort fâcheux, le principal objet de la pitié des plus grands hommes est la faiblesse de ceux qu'ils voient se plaindre. À cause qu'ils n'estiment point qu'aucun accident qui puisse arriver soit à un si grand mal, quelle à lâcheté de ceux qui ne le peuvent souffrir avec constance. Et bien qu'ils haïssent les vices, ils ne haïssent point pour cela ceux qu'ils y voient sujets. Ils ont seulement pour eux de la pitié. Article 188 Qui sont ceux qui n'en sont point touchés mais il y a que les esprits malins et envieux qui haïssent naturellement tous les hommes, ou bien ceux qui sont si brutaux, et tellement aveuglés par la bonne fortune ou désespérés par la mauvaise, qu'ils ne pensent point qu'aucun mal leur puisse plus arriver, qu'ils soient insensibles à la pitié. Article 189. Pourquoi cette passion excite à pleurer Au reste, on pleure fort aisément cette passion, à cause que l'amour, envoyant beaucoup de sang vers le cœur, fait qu'il sort beaucoup de vapeur par les yeux et que la froideur de la tristesse retardant l'agitation de ces vapeurs fait qu'elle se change en larmes suivant ce qui a été dit ci-dessus article 190 de la satisfaction de soi-même la satisfaction qu'ont toujours ceux qui suivent constamment la vertu est une habitude dans leur âme qui se nomme tranquillité et repos de conscience mais celle qu'on acquiert de nouveau lorsqu'on a fraîchement fait quelque action qu'on pense bonne est une passion à savoir une espèce de joie, laquelle je crois être la plus douce de toutes, parce que sa cause ne dépend que de nous mêmes. Toutefois, lorsque cette cause n'est pas juste, c'est-à-dire lorsque les actions dont on tire beaucoup de satisfaction ne sont pas de grande importance, ou même qu'elles sont vicieuses, elle est ridicule, et ne sert qu'à produire un orgueil et une arrogance impertinente, ce qu'on peut particulièrement remarquer en ceux qui, croyant être dévots, sont seulement bigots et superstitieux, c'est-à-dire qu'ils sous ombre, qu'ils vont souvent à l'église, qu'ils récitent force aux prières, qu'ils portent les cheveux courts, qu'ils jeûnent, qu'ils donnent l'aumône, pensent être entièrement parfaits, et s'imaginent qu'ils sont si grands amis de Dieu qu'ils ne sauraient rien faire qui lui déplaise, et que tout ce que leur dicte leur passion est un bon zèle, bien qu'elle leur dicte quelquefois les plus grands crimes qui puissent être commis par des hommes, comme de trahir des villes, de tuer des princes, d'exterminer des peuples entiers. Pour ceux-là seuls qui ne suivent pas leurs opinions. Article 191 du repentir. Le repentir est directement contraire à la satisfaction de soi-même. Et c'est une espèce de tristesse qui vient de ce qu'on croit avoir fait quelque mauvaise action. Et elle est très amère, parce que sa cause ne vient que de nous, ce qui n'empêche pas néanmoins qu'elle ne soit fort utile, lorsqu'il est vrai que l'action dont nous nous repentons est mauvaise, et que nous en avons une connaissance certaine. Parce qu'elle nous incite à mieux faire une autre fois. Mais il arrive souvent que les esprits faibles se repentent des choses qu'ils ont faites sans savoir assurément qu'elles soient mauvaises. Ils se le perçoivent seulement à cause qu'ils le craignent. Et s'ils avaient fait le contraire, ils s'en repentiraient en même façon, ce qui est en eux une imperfection digne de pitié. Et les remèdes contre ce défaut sont les mêmes qui servent à ôter l'irrésolution. Article 192 de la faveur. La faveur est proprement un désir de voir arriver du bien à quelqu'un pour qui on a de la bonne volonté mais je me sers ici de ce mot pour signifier cette volonté en tant qu'elle est excitée en nous par quelque bonne action de celui pour qui nous l'avons car nous sommes naturellement portés à aimer ceux qui font des choses que nous estimons bonnes, encore qu'il ne nous en revienne aucun bien. La faveur, en cette signification, est une espèce d'amour, non point de désir, encore que le désir de voir du bien à celui qu'on favorise l'accompagne toujours, et elle est ordinairement jointe à la pitié, à cause que les disgrâces que nous voyons arriver aux malheureux sont causes que nous faisons plus de réflexion sur leur mérite. Article 193 de la reconnaissance La reconnaissance est aussi une espèce d'amour excité en nous par quelque action de celui pour qui nous l'avons, et par laquelle nous croyons qu'il nous a fait quelque bien, ou du moins qu'il en a eu l'intention ainsi elle contient tout le même que la faveur et cela de plus qu'elle est fondée sur une action qui nous touche et dont nous avons désir de nous revancher c'est pourquoi elle a beaucoup plus de force principalement dans les hommes tant soit peu nobles et généreuses article 194 de l'ingratitude pour l'ingratitude elle n'est pas une passion car la nature n'a mis en nous aucun mouvement des esprits qui l'excite mais elle est seulement un vice directement opposé à la reconnaissance, en tant que celle-ci est toujours vertueuse, et l'un des principaux liens de la société humaine. C'est pourquoi ce vice n'appartient qu'aux hommes brutaux et sottement arrogants, qui pensent que toutes choses leur sont dues, ou aux stupides, qui ne font aucune réflexion sur les bienfaits qu'ils reçoivent, ou aux faibles et abjects, qui, sentant leur infirmité et leurs besoins, recherchent bassement le secours des autres, et après qu'ils l'ont reçu, ils les haïssent. Parce que n'ayant pas la volonté de leur rendre l'appareil, ou désespérant de le pouvoir, et s'imaginant que tout le monde est mercenaire comme eux, et qu'on ne fait aucun bien qu'avec espérance d'en être récompensé, ils pensent les avoir trompés. Article 90. Quel est celui qui naît de l'agrément Au contraire, l'agrément est particulièrement institué de la nature. Pour représenter la jouissance de ce qui agrée comme le plus grand de tous les biens qui appartiennent à l'homme, ce qui fait qu'on désire très ardemment cette jouissance. Il est vrai qu'il y a diverses sortes d'agréments, et que les désirs qui en naissent ne sont pas tous également puissants. Car par exemple, la beauté des fleurs.